Bonjour, 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 bonsoir. Salut, non? Comment nous y est? Quand tu as venu aujourd'hui, là, petite analyse, là, nous allons faire là, aujourd'hui, là. Comment nous y est? Salomon, Salomon, il est au premier. D'accord, il est bien patiné. Il va un choix, man. C'est qu'un bel allié. Yeah, moi, salut, non. La dernière fois, on va bon petit temps ensemble. Font une analyse des grands enjeux géopolitiques et stratégiques du monde contemporain. Bon, écoutez. D'abord, moi, salut, non? C'est un plaisir de m'avoir aujourd'hui. C'est toujours un privilège. Toujours un privilège pour moi de me parler avec nous. Et on a regardé un pays à vivre, la situation pays, un peu le monde frustré, bon, il a exprimé la frustration. Et on comprend ça. Et il y a des gens tout en quelque sorte qui pensent que je ne suis pas vraiment concerné de ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout le cas. Mal comment c'est-il là, pour me faire quelques points. Je choisis faire la blague, je vous dis. Hein. Je dis à Pâques, dimanche Pâques. Je choisis faire la blague. Dimanche Pâques, là. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que on n'est pas grand pile. Moun ki bal vin an balav la vin jure, vin radote, vin disturb mwen. E pwemye rezon, paske yo gen pri al manje poason nan pak, yo gen pri al fiti pak, yo wap getan pou yo vin an medim. E bonsoir, mansa mousa. Sa se deja yon nan rezon ki fèm fèl. Dezem rezon ki fèm fèl, se paske gen de devlopman an ap asiste jounen joudi an ou nivou de sen mondial la. Le chike mondial la bouleversi. E gen moun ki ta remen an kelke sot ke mwen pataje avek yo komprehansyon mwen de devlopman kap pase sou sen mondial la. E gen pil moun ki ta remen ke mwen dim yo ta remen tan de pwen de vi mwen sou sa kap pase yo. Comment me comprendre ce qui a passé? Ça, ouais, pas de problème. Il m'a fait la ça pour en quelque sorte. Je m'a fait la ça pour tout le monde. Faut nous clair sur ça. Je m'a fait la ça pour le monde qui t'a demandé mieux. Et, quand on a des monde qui va venir, venir jouer en bas là. Ça qui gagne temps pour perdre yo. Oui. C'est choix yo. Si me bloquer yo, on ka doit bloquer yo, ça me doit quitter yo tout. Donc c'est une misconception. Donc c'est une misconception, ça qu'a fait divin. C'est une misconception, Robinson Gilin. Comment et faut nous très objectifs dans cette affaire. Tout d'abord, les gens qui disent objectifs dans démarche ou bien dans analyse, c'est que vous faites usage de la raison, du bon sens, tout au, et puis tout, vous faites réserve en quelque sorte sous feeling, sous émotion, pour ne pas
en quelque sorte cloud judgment. Parce que là où dit qu'on ça fort objectif, c'est-à-dire au parti du postulat que ou sont homme, ou sont être rationnel. OK, ou sont être rationnel. Des fois, ou doit faire l'usage de la raison dans des marches où la foi analyse, faut pas quitter sentiment, émotion, guido dans l'analyse. De quoi pour analyser un baba? En fait, Teza a l'ichita sous une anthropologie qui prend racine dans le rationalisme. Ok? Que l'homme n'a son être rationnel. Mais en quelque sorte, il faut comprendre que, philosophiquement parlant, cette thèse ou cette théorie anthropologique a été remise en question par Sigmund Freud, qui fait comprendre que l'ensemble des décisions que l'être humain en prend, lui, en majeure partie, presque à 80%, influencé par des pulsions, par des désirs, par l'inconscient, en quelque sorte, libido, que l'homme n'a pas vu de contrôle. Et ceci étant dit, malgré, M. Vina avec plusieurs démonstrations, d'où la naissance de la psychanalyse, pour te montrer l'importance, bien entendu, des désirs, des pulsions, en quelque sorte, des désirs pulsionnaires, le rôle que l'inconscient jouait en matière de prise de décision dans le comportement de l'homme, non? Dans le choix la fait, dans la décision. Et ça pas devine trop remé. N'est-ce pas devine trop remé ça dans le monde occidental parce que, le monde occidental, en quelque sorte, il y a plus chita sur la base du rationalisme. Vous comprenez? Parce que il y a considéré être humain comme étant un acteur doué de raison et qui a fait des choix rationnels. Et à partir de là, il est impliqué un degré de responsabilité. Maintenant, ceci étant dit, l'inconscient que Sigmund Freud a avancé, il remet en question le principe même de la responsabilité dans la mesure où il y a un monde qui est inconscient à 80%, qui influence ses décisions, il n'est pas responsable du choix à la fin parce que il y a d'autres déterminants, d'autres facteurs qui échappent à contrôle mounan, qui fait que mounan capable prendre des décisions, comprend, qui pas chita sous des choix rationnels. En fait, l'Occident peut essayer venir avec d'autres démarches en matière de psychanalyse et d'autres théories en matière de psychologie, puis être capable, bien entendu, prendre le contre-pied du freudisme et bien entendu du néo-freudisme. Ça, c'est juste pour me remettre quelques points en matière de méthodologie et de démarche que je vais adopter aujourd'hui, hein, pour nous capables d'analyser les grands événements mondiaux qui a marqué cette mondiale-là, je vais vous dire là. C'est-à-dire que je vais faire analyse ça et essayer de faire le plus objectif possible, mais compte tenu du fait que moi trouver moi dans aux États-Unis, moi étudier en Europe, en Occident, maintenant l'ensemble de l'épistémé que me à disposition moi, je suis capable et conditionner des marches moyens en quelque sorte. Et ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que m'baka transcender ni dépasser dans la mesure où épistémé occidental là pour m'aller inscrit tête moins non épistémé alternative pour moi si m'étais capable à appréhender et présenter une autre vision de la réalité en comparaison ou bien en opposition avec l'épistémé occidental. Bon, il faut comprendre que Mbadi gon vu l'épistémique, mais jusqu'à maintenant, au niveau mondial, n'a assisté à une prédominance de l'épistémé occidental qu'il y a enseigné dans l'ensemble des universités occidentales
et dans les pays aussi en voie de développement et qui constituent en quelque sorte un véritable handicap majeur pour ce qui a trait à notre compréhension des événements mondiaux. L'ensemble des concepts et des grilles et des outils théoriques que nous avons utilisés et conceptuels, nous concoctés, bien entendu, dans les grandes universités occidentales. Le narratif et l'idéologie dominant que nous avons fait, qui servit nous comme cadre référentiel, c'est toujours en Occident. Maintenant, jusqu'à maintenant, nous avons parlé là, et nous pouvons joindre d'autres cadres référentiels alternatifs pour nous être capables d'inscrire nous là-dedans. Ceci étant dit, je dois clarifier pour nous-mêmes, Captain Demna, tous ces éléments, tous ces enjeux épistémiques qui sont capables de constituer des handicaps par rapport avec l'analyse que nous pouvons faire journée aujourd'hui. Là. Tout déjà, et moi fais nous part de enjeux épistémiques et philosophiques aussi, pour nous capables de comprendre que l'analyse que nous pouvons faire là, en matière d'objectivité, est capable d'entacher de baèze. Est capable d'entacher de baèze, que ce soit conscient ou inconscient, et ces baèzes cognitives, en quelque sorte, jouent un rôle déterminant pour analyser, et ceci, de créer des espaces qui permettent à ce que le monde capable de porter des critiques par rapport à l'orientation même de l'analyse et bien entendu études approfondies qui fait des faits et des données que nous avons à notre disposition. Ceci étant dit, sans perdre du temps, on va commencer avec sujet ça. Et m'te avancé thèse, hein? J'en ouais thèse me soutenir. M'sout dit nous, c'est que gon situation qui développée au niveau international jodi là côté que n'a assisté avec yon remise en question, yon remise en question de la dominance et l'hégémonie des États-Unis en tant que leader mondial sur la scène internationale. Maintenant, on va identifier quelques éléments, quelques erreurs de jugement qu'un paquet de grands experts ont toujours fait. Et première erreur qu'ils ont toujours fait, c'est que ils ont toujours parti du postulat, ils ont toujours laissé les emporter par le fait qu'ils ont un désir pour voir les États-Unis tomber. Qu'est-ce qui explique ça? Ceci, phénomène ça expliqué par le fait que la majorité experts nous gagnent, pays que vous sortiez là-dedans, en quelque sorte, les jouent un rôle déterminant, les influencent dans l'analyse à faire. Par exemple, il y a un monde qui sort dans un pays sous-développé, par exemple en Haïti, par exemple en Afrique, par exemple dans le Middle East, dans le Moyen-Orient, c'est normal, moun sa, de la font analyse par rapport avec l'hégémonie des États-Unis et de l'Occident, ou après moun sa toujours, analyse li orienté vers, dans le sens de, pour ta remè ouè, l'Occident et les États-Unis tomber. Raison qui fait ça, c'est parce que, en quelque sorte, moun nan, li fait partie, li appartenu à un pays qui, en quelque sorte, victime et subit ça aurait les influence, ok, politique étrangère des États-Unis et l'Occident. Sentiment anti-américain ça, sentiment anti-occidental au centriste ça, les vignes en quelque sorte, Jean-Sigmund Freud dit, hein, les influencer mon analyse d'affaire. C'est-à-dire que puisque moun nan déjà éprouvé un sentiment négatif vis-à-vis de l'hégémonie des États-Unis, puisque moun nan gen envie pour États-Unis ta tomber
en tant que grande puissance, ou bien pour l'Occident à effondrer parce que l'Occident fait du tort à pays. Les gens font analyse en tant qu'expert, bien entendu, ou déjà ouais que on va assister à un bias cognitif. Un bias cognitif dans la mesure où l'ensemble des arguments et des données que nous avons avancé, nous avons avancé dans le sens, bien entendu, à supporter feelings, désirs, que t'as aimé voir, ouais, les États-Unis tomber et l'Occident tomber. Maintenant, ce qui est important il est important pour nous identifier dans cette démarche, c'est que nous n'avons pas arrivé dans la limite côté que la difficile pour la entrée dans la dynamique pour différencier entre désir, ça l'italien, mais réaliser, lui ou être réalisé avec la réalité. En fait, ce clivage entre ça, moi, vlé, ta désir, moi, ouais, avec réalité, hein, il est vraiment grand. Et ça, pour le vin, créer source de frustration. Dans la mesure, par exemple, si je me dis, je suis dans un pays sous-développé dans Haïti, et je connais politique étrangère américaine vis-à-vis d'Haïti, c'est pas une politique qui met tes pays dans là. Si qu'on y a ma font analyse au niveau international, de ma étudier les grands enjeux et géopolitiques et stratégiques par rapport à la prédominance des États-Unis sur la scène internationale, c'est normal pour désir moins influencer analyse là. Parce que, puisque m'envie ouais États-Unis tomber, puisque m'envie ouais l'Occident tomber, c'est normal, analyse moi, hein, n'est pas objective. C'est-à-dire que, l'embral choisit des données et des faits, m'bral très sélectif. Il y a des faits que m'bap considérer, il y a des faits que m'bap bay même valeur avec d'autres faits, pour la simple bonne raison, parce que, et dans la démarche moyen, il est biaisé à la base du fait que moi gagne une posture anticolonialiste, anti-impérialiste, anti-américanisme et anti-occidentalocentrisme. C'est normal. Parce que, puisque posture idéologique moins, posture moins, guettant, inscrit dans dynamique ça, c'est normal, l'ensemble des données, l'ensemble des faits que m'a laissé réunis, il va aller dans le sens, bien entendu, pour soutenir ma position par rapport ou bien pour argumenter en faveur, bien entendu, d'un anticolonialisme, d'un anti-impérialisme, d'un anti-américanisme et d'un anti-occidentalisme. Mais là, le fait que, bien entendu, je suis m'inscrit maintenant dynamique de telle ampleur, c'est-à-dire que mon anti-colonialisme, anti-impérialisme, anti-occidentalisme ne veut pas dire pour autant que je suis un pro. La Chine, chinois, que je suis un pro russe, ou bien que je suis, c'est d'où la problématique, en quelque sorte, de la neutralité, en ce qui a trait, bien entendu, aux analyses, géopolitiques et stratégiques. Ça, au niveau méthodologique, nous déjà posé, problématique ça, enjeu méthodologique ça, qui est capable, en quelque sorte, et susciter nous, à être prudents dans la démarche, nous. Maintenant, les nous dit, il y a une confusion qui est toujours faite. Je suis maintenant dans la démarche de la clarification des concepts. Il y a un problème qui est toujours arrivé dans l'analyse en paquet nègre sur les réseaux sociaux, hein, c'est qu'il y a une difficulté majeure pour clarifier les concepts. Les concepts sont flous dans la tête. Maintenant, si vous avez des difficultés à clarifier les concepts, ou déjà qu'on est que conclusion, n'a pas de problématique. Pour quelle raison je dis ça? Je vais prendre deux concepts. Par exemple, là, il y a parlé des États-Unis. Je toujours confonds le plus souvent avec les États-Unis à l'Occident. Faut nous très prudents dans démarche ça, parce que démarche ça très important pour nous très 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 prudents la donne. L'Occident n'est pas forcément les États-Unis. Dans mon journée aujourd'hui, les gens font erreur ça. Nous confondons l'hégémonie des États-Unis
y a bataille contre les États-Unis pendant ce temps. C'est l'hégémonie de l'Occident sur la planète. Maintenant, si vous pas élargi le cadre hégémonique pour considérer l'hégémonie dont il est question dans le monde, c'est pas l'hégémonie américaine, mais c'est plutôt l'hégémonie du monde occidental. Ok? Ça, l'on font analyse géopolitique et stratégique, ou a biaisé dans l'analyse là. Parce que cadre référentiel ou, les trois simples, concepts là, trois flous dans tes deux. Maintenant, l'on a parlé de hégémonie américaine, ou parlé plutôt de leadership mondial américain. T'as bien ce que je dis là. Il ne faut pas confondre l'hégémonie du monde occidental et leadership mondial des États-Unis d'Amérique. Ça, dans un souci de clarification des concepts, pour analyser les enjeux géopolitiques et stratégiques en matière de relations internationales, faut faire très attention pour ne pas confondre ces deux éléments. Le leadership des États-Unis, mondial des États-Unis, n'est pas en quelque sorte, il ne faut pas confondre avec l'hégémonie occidentale dans le monde. Maintenant, les États-Unis font partie de bloc ça, bloc civilisationnel ça, qu'on appelle l'Occident. Maintenant, il faut comprendre que l'ordi ou t'arrêmé ouais, les États-Unis tombés, faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Parce que si on confond les États-Unis avec l'Occident, c'est qu'on confuse. C'est-à-dire du concept là fou dans tête. Maintenant, est-ce que Guillon, ou qu'a parlé de hégémonie occidentale sans les États-Unis, non? Mais cependant, il faut bien clarifier le rôle des États-Unis en tant qu'acteur en dedans bloc civilisationnel et l'Occident. Et pour qui raison, ils laissent le jeu world leader ça dans le monde là. Tout d'abord en Occident et ensuite dans le monde. Maintenant, en pile nègre qui a fait analyse sur les réseaux sociaux, ils ont piégé le concept yo parce que ils ont quitté émotion, yo sentiment, yo mené. Les n'a parlé de l'Occident avant arriver sur les États-Unis, il y a une série de éléments de considérer. En dedans bloc occidental, là, on parle de l'Occident, il y a plusieurs blocs en dedans. L'autre bloc en dedans l'Occident. Premier bloc où joue en dedans l'Occident, qui a une histoire très longue, c'est ça nous relève Union européenne, le bloc européen de l'Ouest, le bloc de l'Ouest européen, qui joue aujourd'hui constitué, ça relève l'Union européenne, qui gagne la donne plus que 27 pays. Bloc ça. Maintenant, mais attention à ce que je dis là. Parce que l'histoire de l'Occident, à travers, ça relève colonisation, système esclavagiste, non? Avant même la naissance des États-Unis, ou doit retracer l'histoire de ce bloc dans le continent européen pour comprendre, journée aujourd'hui, qui ça l'Union européenne représentait à l'intérieur de ce bloc civilisationnel qu'on appelle l'Occident. Premier bagage où identifier dans le bloc ça, c'est l'Union européenne, le processus de construction de l'Union européenne, l'ensemble des deux guerres qui a eu lieu sur le continent européen, à savoir la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui a accouché journée aujourd'hui à ça et l'Union européenne, et aussi deuxième réalité pour considérer en dedans bloc occidental ça, c'est ça et relé de Commonwealth. Le Commonwealth, contrairement avec l'Union européenne, est composé de l'ensemble des pays, OK, qui autrefois était en bas griffe, ça aurait l'Angleterre.
Dans le pays ça, yo, vous avez l'Angleterre, ok, le royaume d'Angleterre, ok, UK, ou gagnez Canada, ou gagnez les États-Unis, les pays anglophones, ou gagnez l'Australie, ou gagnez New Zealand, ou gagnez Iceland. En réalité, tous les pays anglophones, yo inscrit tête yo en dedans Commonwealth là. C'est-à-dire, de côté, vous avez l'Union Européenne, ok, qui a une histoire propre avec lui, qui a battu pour le construire tête lui, qui fait partie du bloc occidental là. Et de notre côté, vous avez, yon l'autre groupe, qui est le Commonwealth, les pays anglo-saxons, qui constitue tête yo en bloc aussi, en dedans l'Union Européenne, en dedans l'Occident. Des fois, à l'intérieur de l'Occident, vous gagnez deux blocs, ok, qui constituent deux piliers en dedans l'Occident. Maintenant, vous gagnez une troisième catégorie de monde, de groupe, un troisième groupe, qui lui-même identifié à l'Occident à cause de colonisation, à cause de ça relait système esclavagiste que l'Occident t'est imposé dans la planète là. Troisième bloc ça, ou gagnez la donne, les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Amérique et d'Afrique, pays ça yo en quelque sorte, qui ont accédé à l'indépendance dans le processus de décolonisation après Deuxième Guerre mondiale là. Et vous savez aussi, les pays de l'Amérique latine qui ont accédé à l'indépendance au cours du 19e siècle avec le mouvement, en quelque sorte, de Bolivar et qui finit, je vous dis, ça a relé Amérique latine et Caraïbes. Maintenant, il faut comprendre que ces pays-là, en quelque sorte, ne sont pas des pays, en quelque sorte, faisant partie du bloc occidental, mais ce sont des pays qui, en quelque sorte, constituaient une sphère d'influence occidentale. Ils ont subi l'influence occidentale à cause du colonialisme, à cause du système esclavagiste. Maintenant, ils ont toujours porté dans eux-mêmes des séquelles de l'Occident. Ils ont toujours identifié tête à l'Occident, malgré qu'ils ont formulé des formes de résistance, en quelque sorte, par rapport à l'Occident. Maintenant, pour aller plus loin, il y a un quatrième groupe, qui, en quelque sorte, inscrit tête dans la dynamique occidentale là, pas pour des raisons stratégiques. Nous gagnons, par exemple, des pays, d'un coup, le Japon. Le Japon adopté ils ont une posture occidentale pour des raisons stratégiques. Nous gagnons Taïwan. Raison stratégique. Nous gagnons Corée du Sud. Raison stratégique. Nous gagnons Philippines. Raison stratégique. Nous gagnons l'Inde. Raison stratégique. Maintenant, il faut comprendre que ces pays-là, malgré civilisationnellement parlant, ils n'ont pas appartenu à l'Occident, mais pour des raisons stratégiques, ils ont en quelque sorte constitué quatrième groupe, ok, qui acceptait en quelque sorte ajuster yo par rapport avec l'Occident. Maintenant, 993 pays qui existaient dans le monde là, nous capables de dire les États-Unis, l'Occident couvrit à peu près 3/4 de la population hein, en matière d'influence, ok, en matière d'influence, en matière de stratégie, en matière d'appartenance, en matière de vision du monde, en matière épistémique. Maintenant, il faut comprendre à ce titre-là, lorsque nous parler de conflit en dedans monde là, faut comprendre l'ordre dit Occident qui sauve les dits.
Maintenant, pour asseoir leur hégémonie au niveau planétaire, l'Occident pral mette d'accord pour yo bay un leader mené groupe là. Attention, yo pral mette yo d'accord pour yo bay un leader mené groupe là. OK? Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui pays qui pral émerger comme leader pour mener groupe occidental là, c'est les États-Unis d'Amérique. Et l'effondrement de l'URSS du bloc soviétique en 1991 pral ajouter à l'influence des États-Unis du monde occidental dans planète là avec l'éclatement de l'URSS côté d'autres pays pral accéder à ce qu'on appelle l'indépendance. Maintenant, un bloc soviétique l'a éclaté. Des pays qui, d'autrefois, faisaient partie du bloc soviétique, pral intégrer, structurer l'Union européenne, les pays de l'Europe de l'Est, et puis, yo pral identifier tête, yo, au modèle occidental, parce que yo pral rejeter en bloc, ce qu'on appelle, là, le communisme, le bloc soviétique. Yo pral entrer tête yo dans processus de démocratisation, yo pral ouvrir marché yo au capitalisme et puis automatiquement les valeurs occidentales pral intégrer ces pays et yo pral assister avec un développement de leur croissance économique qui pral favoriser le mode de vie et calquer sur le modèle occidental. Ceci étant dit, mes chers amis, si n'a pas remarqué bien, gagnons gros coup qui parle passer. Après l'effondrement de l'URSS. La Russie va l'émerger, va l'arrêter là. Mais, gagnons pays qui autrefois t'est fermé, qui c'est la Chine. Ok? La Chine pral faire un coup 4 qui fait nous cap parler de la Chine je dis. En 2001, la Chine pral faire un coup 4 côté que la Chine pral renoncer au modèle économique communiste pour épouser le modèle capitaliste tout en conservant le modèle politique économique et communiste. Et on va dire, professeur Sodi là, c'est pour la première fois que deux idéologies pour coexister en Chine. C'est le modèle chinois, le modèle capitaliste dans l'économie, le modèle communiste dans la politique, avec la prédominance de la politique sur l'économie. Parti communiste chinois n'est pas dominé la politique, c'est-à-dire les grandes orientations du pays, les grands enjeux intérêts nationaux du pays, et libre ouvert marché, l'économie chinoise, avec des investissements capitalistes, moyennant, bien entendu, yo sous contrôle l'État communiste. Gouvernement communiste. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, avec l'entrée de la Chine au niveau de l'Organisation mondiale du commerce en 2001, en pile pays occidental, des capitaux occidentaux pour aller plonger en Chine, pour y aller investir. Maquette chinois, oui, mais devant bon marché, chinois ont discipliné, eh bien, les pays occidentaux, ils pourraient le prendre capital, ils pourraient le porter et bourrer sur marché capital, sur marché la Chine, non? Ils pourraient le moins devant bon marché, ils pourraient le exploiter la population chinoise, eh bien, les arrivent l'autre bois,
Et j'ai été comprendre bagala ta balia et par contre ça balala pas passer pour yo. La Chine tomber voler technologie négio, la Chine exploiter et fait transfert de technologie et prend contrôle en série de produits qu'a fait et parallèlement la Chine a construit propre industrie pâle, propre modèle économique parle, propre film international parle, et puis avec un taux de croissance extraordinaire, la Chine a développé avec des capitaux étrangers qui venaient du monde occidental. Maintenant, les gens qui font les occidentaux accepter la Chine entrer dans l'Organisation mondiale du commerce sans que la Chine pas renoncer au communisme d'État, c'est parce que Negio t'es pensé que si elle mettait, si elle investit économiquement en Chine, ça qu'à cause, yo combat système État communiste chinois. Et pourtant, c'est pas vrai. Mais yo pral rendre yo compte, les pays occidentaux pral rendre yo compte, yo font erreur majeure. Donc, erreur majeure. Et nèg yo pral battre pour yo remédier à erreur ça. Mes chers amis, tendez bien ça m'a dit là. La Chine a avancé à un rythme. C'est taux de croissance 9%, taux de croissance 10%, taux de croissance 11%. La Chine a produit pour planète là. Mais faites attention. Faites attention. La Chine, économie chinoise, gagne en faiblesse. Li reposer sur le dollar. T'as bien ça m'a dit là. Et on est analyse qu'a fait. Maintenant, autorité chinoise est conscient de faiblesse. Parce que pour yo acheter pétrole, c'est un dollar. Pour yo acheter matière première, c'est un dollar. Maintenant, chinois yo a obligé besoin de dollars. Comprenez bien ce que j'ai dit là. Mais attention à ce que j'ai dit parce que a plus le problème, a plus le monde va comprendre ça m'a dit là, faut on comprendre bah là et capable difficile bon, m'a expliqué. Bon. Matière première que économie chinoise a besoin pour le produit pour le monde là. Au niveau du commerce international, au niveau du finance, de la finance internationale, c'est le dollar qui prime. C'est avec dollar pour changer, pour acheter dans le marché mondial. Ça vient constituer un handicap pour la Chine. Des fois, la Chine besoin de gaz, c'est un dollar. Il faut des dollars dans le pour acheter gaz. Ça vient mettre la Chine en position de dépendance vis-à-vis du dollar. La Chine besoin matière première en Afrique, $100 pour l'acheter. Elle besoin de gaz dans le Moyen-Orient, $100 pour l'acheter. Des fois, la Chine besoin de dollars. Pour la Chine besoin de dollars. Faut la Chine jouer de dollars. La Chine obligée vendre marchandises en dollars sur marché mondial. Là, de quoi pour le cas entrer dollars dans la réserve. De quoi pour le cas toujours gagner dollars pour l'export, pour importer sale besoin, gaz, matière première, de quoi pour le produit, l'el produit, de obligé vendre en dollars. Et première destination, premier marché, la Chine gagne pour le vendre produit, li, c'est l'Occident. C'est le bloc occidental. Les États-Unis, le Canada, l'Union Européenne et l'Anglo-Saxonne. C'est là. Yo vend. Marchandise yo. Les Chinois produit, li produit pour l'Occident d'abord. Et l'Occident lui-même li dominé par le dollar. Maintenant, à chaque fois, la Chine vend l'Occident, son dollar, yo paye. Maintenant, la Chine vient trouver une situation, côté que, li gen une quantité de dollars, comme réserve,
Dans le banque. Mais attendez bien ça, m'a dit là, mes chers amis. M'a besoin d'entrer dans l'accord de Bretton Woods avec nous. M'a besoin d'arriver dans FMI avec nous, Fonds monétaire international, Banque mondiale, qui sont des institutions internationales établies par le bloc occidental pour asseoir leur dominance dans la planète là. Maintenant, il y a une grosse situation qui peut arriver. Les nègres rendent compte, les États-Unis rendent compte que la Chine commence par être une grande puissance économique. Premier coup, les États-Unis pour le faire, c'est la crise de 2008. 7 ans après la Chine fin entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, 7 ans après, en 2008, les États-Unis créent une crise financière. Côté que, la Chine pral rendre compte dans qui degré les vulnérables économiques vulnérables par rapport au dollar américain. C'est crise ça qui pral bail la Chine on y ouvri. Là la Chine rendre compte de impact crise 2008 là gagné sur économie là et sur économie mondiale là sous pays tant coup et Brésil, tout pays tant coup la Russie, tant coup l'Inde, tant coup et Afrique du Sud. En 2010, la Chine pral fon coup de cap. Tendez bien? Yo pral réuni pour la première fois 4 pays. Brésil, attendez moi, Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. En 2010, les réunis pour la première fois, ils ont gagné une raison qui fait réunir. Première raison, c'est que ils ont estimé que dollar, économie dollar, les problématiques. Pour qui raison? Ils ont besoin d'un autre système financier mondial alternatif pour être capable, bien entendu, fait face avec dollar qui constituait un handicap, un outil de déstabilisation des économies montantes. Comprenez bien, oui? Ils ont rendu compte que les États-Unis besoin, les l'Occident besoin de déstabiliser l'économie qui a monté, yo. Ils créent une crise financière. Parce que toute économie, yo, alignée sous dollar. Maintenant, pays ça yo, à l'Afrique du Sud pral rejoin yo, yo pral vin avec, yo pral réfléchi avec yon système alternatif pour yo capable échapper aux crises financières que dollar ça capable cause. C'est-à-dire, c'est le processus de dédollarisation du marché mondial. Yo pral faire advocacy pour un processus de lancement de dédollarisation du marché mondial. Yo voulait sortir en bas griffe dollar américain comme monnaie mondiale. Première bagarre yo pral faire, yo pral mettre en place en 2014 yon banque, yo relé New Development Bank. Banque ça en quelque sorte 50% la donne, transaction la donne a fait en dollars, reste 50% a fait en monnaie locale. Ça, son première grande initiative. Maintenant, deuxième bagaille, n'est-ce pas le fait? N'est-ce pas étant anticipé, sous sa yorele, non seulement la crise, mais les sanctions économiques, que les États-Unis toujours imposé sous pays que yo pa renmen. Par exemple, les gros imbéciles, yo remarqué que en matière de politique étrangère des États-Unis d'Amérique, gen des instruments que
les États-Unis d'Amérique utilisaient pour le capable imposer volonté sur une série de pays. Par exemple, t'as bien, oui, par exemple, sanctions économiques, embargo, freeze asset moun, et freeze, et l'argent milliardaire yo, millionnaire. Maintenant, n'a yo di yo ket. N'a sans ça, puisque kob neg yo, c'est nan banque, Occident yo te, maintenant, dans le système mondial là, États-Unis utilisaient asset li dollars pour sanctionner Negyo. Negyo dit bon, écoutez, nous besoin yon banque alternative côté que nous capables échanger entre nous. C'est-à-dire, nous ka fait commerce avec la Brésil ka fait commerce à la Chine, Brésil ka fait commerce à la Russie ka fait commerce à la Chine ka fait commerce à la Russie ka fait commerce avec l'Inde, l'Inde ka fait commerce avec yo ka fait commerce entre yo avec l'argent local pa yo. Ça yo pas besoin passer par dou là. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? C'est-à-dire yo créer yo espace que yo les BRICS côté que yo ka fait commerce entre yo avec l'argent propre l'argent pa yo. L'argent local. Il n'y a pas besoin de dollars encore pour faire commerce. Maintenant, il y a un gros problème qui pose. Maintenant, qui problème qui pose? Problème qui pose, c'est que yo rend yo compte que yo vlel que yo pa vlel, yo représente seulement 5 pays qui représentent 20% de la croissance mondiale monde là. Mais il y a un gros problème qui pose. Qui problème qui pose? Yo rend yo compte, il y a toujours besoin de dollars. Raison qui fait y a toujours besoin de dollars, c'est parce que dans 193 pays qui existent dans le monde, il y a 146 pays qui accrochent l'économie yo avec dollars là. T'aimes bien ça m'a dit là pour monde qui va comprendre. Maintenant t'aimes bien à ce que je dis là. Les nèg yo fait calcul ça, yo dit c'est vrai n'a bat pour nous échapper à sanctions économiques les États-Unis d'Amérique, mais n'a besoin de dollars quand même. C'est ça te fait dans banque. Yo créé, yo dit 50% transaction d'investissement qu'a fait, y'a fait en dollars, reste là, l'autre 50% en monnaie locale. Maintenant, la Chine tellement intelligent, t'en bien, ouais? Mes chers amis, la Chine tellement intelligent, la Chine vini avec un projet. Projet ça y est, l'île, BRI, le projet de la route de la soie. Qui sa projet ça vient là-dedans? T'as même bien ça m'a dit là? Géopolitique qu'a fait. La Chine prend 913 milliards de dollars. 913 milliards de dollars li investit dans projet ça pour capable écouler marchandises li dans monde là. Yon seul continent li pa ka arrivé sous li avec projet ça, c'est l'Amérique. Maintenant tendez bien ça m'a dit mes amis pour nous comprendre bien ça qui a passé. Seul continent la Chine poko capote bourré sous li avec projet ça, li relé Amérique. Mais avec projet ça, la Chine target trois côtés. Li target Moyen-Orient, li target l'Europe, li target l'Afrique. Mais attendez bien. Faites attention à ça m'a dit là. Investissement ça yo. Yo fait un dollar. Mais attendez bien, ça m'a dit là. Si nous remarquons bien,
913 milliards de dollars, ça, pays que la Chine visé avec eux, c'est pays qui en bas griffe l'Occident. Attendez-moi. Mais, c'est pays qui a servi à dollars. Attendez bien. Mais, la Chine développait une relation particulière via BRICS avec des pays tant que Brésil, la Russie, l'Inde, Chine et Sud-Afrique. Maintenant, comprenez bien ça, m'a dit là. Pays ça yo, en quelque sorte, yo gen des relations privilégiées avec la Chine parce que yo formé ça ou les BRICS. Maintenant, yo gen accès avec des loans à travers banques et yo mettez en place là. Maintenant, la Chine utilisait yon l'autre moyen que le projet de route de la soie pour le cas atteindre et diminuer influence l'Occident, les États-Unis dans les pays occidentaux. Mes chers amis, tendez bien, oui, ça m'a dit là. Mes amis, tendez bien, écoutez-moi. Tendez bien. Maintenant, qui problème qui posait? Mais problème qui posait là. Problème qui posait, c'est que l'Occident target BRICS. Il target Brésil. Il target l'Inde. Il target Afrique du Sud. Il target la Russie. Et plus particulièrement, il target la Chine. Oh, prof là, ça dit là. Oui. On va le montrer nous. I love them. Moi-même, développement international, suivre comment les gars déplacer, pion yo au niveau international. Les États-Unis d'Amérique, l'Occident dit, pour nous barrer route à la Chine, à projet ça, faut nous créer crise. Écoutez bien ça, m'a dit là, l'Occident dit seule façon pour bloquer projet ça, barrer route à la Chine, c'est à travers des crises, des guerres, instabilité dans zone influence la Chine. Mais il m'a dit oh, pour François dit là, exactement. C'est la nouvelle donne, la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, de l'Occident vise à déstabiliser. Maintenant, qui ça n'est fait? Premier bagaille américain fait, li entre dans deux pays, dans Moyen-Orient, dans deux pays ça yo, qui ça le fait? Li crée crise. Li entre en Irak, li font guerre. Ok? Li mette régime pal en Irak. Ok? Li fin mette régime pal en Irak, la Chine championne ou Madère. Ouais. Ah, c'est problème ça. Ou fait comme si pas tendu des marches, moi. Des pour ou a fait petit bagage. Comme la Chine championne tout. Nomade ou a, t'es bloqué ou. Ou pas tendu. Ah, venir en si dans Figimoun. Le problème ça nous gagne. Venir en si. Bloqué ou. Venir en si dans Figimoun. Ah, ils sont toujours fait émotion. Fait tenter. Il faut analyser avant. Tirer conclusion ou la Chine gagne de ma droite. You know? Ils ont toujours fait caca. On a sur tête chargée, oui, même la Chine va pas dire ça. Même Chinois va pas dire ça. La Chine qui est en gagne de ma droite. What the fuck is on with it? Comme si ou qui quitté émotion, t'es couvert, on analyse à fait. La Chine t'es couvert de ma droite. What the fuck is on with you? M'a besoin modèle étudiant ça. M'a besoin modèle moun zawan ba live moi. M'a gen temps pour bullshit comme ça. Nous aimer émotion mené nous. Moi m'a parlé de pour prendre données ou attirer conclusion. La Chine gen temps nous m'a de wat. Oh ben si la Chine gen nous m'a de wat, m'foutou de yo dans live là comme ou gen temps qu'on le gagner, m'foutou de yo ou pas besoin tendre reste live là encore. Et problème ça dans l'étudiant, là à l'école yo pas le chita moun da yo apprendre, chita pour apprendre. Yo pas rembler chita pour prendre note. Et c'est ça toi yo sort concentré dans pays ya, nous est pays ya. Yo pas chita pour yo prendre note pour yo capable
formuler propre critique par yo ou pas qu'à courir tirer conclusion comme ça. Faut attendre d'abord tout vos problèmes oreilles. Tendez pendant attendez ya et puis prends note et puis l'a fin prend note les lave la fini qu'on y a là on dit OK à partir de tout ça m'gagne même yo là m'capable avancer que la Chine gagne d'abord ou bon, même tendez en tout cas la Chine gagne fout tout dehors dans lave là on met de l'esprit moun comme la Chine gagne ou pas besoin de lave là fout tout dehors bon fou ay c'est toujours des folies. A fait, a trouvé des bagages ou pas même haïtien. Ouais, des connaissances ou pas haïtien. C'est là que on a dit mi danger. Non, bon, là que on a dit mi danger. Al joine et iso capra pour nous. Al je ne sais si c'est là. Dans mon nation, mon fou. Et puis, au besoin de pays développé. Pays développé qui bon. Ah, mon dal mon fou. Ah, la nation a pays développé. Nous tellement fallo une iso. 100 000 mon a fallo une iso. Nous, non, bagages. Nous pas bah l'école, nous pas bah l'école valet. Et tout bagage nous, bah gang. Chita fait faire des comptes bouillisés, réveiller tite zin, pas une propose, une rance dans figi moun, rete, n'a pas de juge. N'a pas de juge. Et ouais, n'a pas de pays à développer. Et ouais, n'a pas de République Dominicaine à développer. Chita fait caca sur les réseaux sociaux, hein. Marcher dans le monde à Jimmy Danger, marcher dans le monde à Iso, marcher dans le monde à Nekap, rance dans figi moun, et puis vin plein, oui, et kidnapping, oui, insécurité, parce que nous pas voulons apprendre, nous pas voulons chita pour nous apprendre, nous pensons nous fin river, nous, ça nous koué. Gen moun kap vini, lèm kap vini, oui, prof là, pour qui sont pas aider haïtien, aider haïtien, là, qui ça? Aïe, c'est le bête ou pas qu'à aider dans la planète là, aïe, c'est le bête ou pas qu'à aider dans la planète. D'ailleurs, c'est un bête qui va nous avoir besoin, peut-être pas. Un moun zal vle, peut-être pas. Depuis c'est pas qui est bon, il décide pour le cracher, sur lui pour le caca là-dedans. You know? On avance. Maintenant, qui stratégie les États-Unis? Les États-Unis, en tant que leader du bloc occidental, a joué un jouet. Qui jouet a joué? Premier jouet que les États-Unis a joué, c'est comment pour bloquer la Chine. En réalité, c'est la Chine ou les États-Unis taguent. Et la Chine, les États-Unis, et pas la Russie. Maintenant, comment game n'y? Comment game n'y? Pour la Russie, les États-Unis utilisaient ça où elle est, l'OTAN. L'OTAN, pour protéger, bloque l'Union européenne. Et puis, pour déstabiliser la Russie avec l'Ukraine. Mais vous comprenez bien, oui. L'Ukraine, bon, elle l'a joué. En réalité, ils ont préféré sacrifier l'Ukraine. Pour les gens qui ne comprennent pas bien, son calcul qui fait. Ils ont largué l'Ukraine comme un terrain pour piéger la Russie. De façon à ce que l'Union européenne, l'OTAN, capable de renforcer présence en Europe. Si nous remarquons bien, pendant qu'ils ont quitté la Russie à battre avec l'Ukraine, Finlande à peine entré dans l'OTAN. Vous comprenez bien ce que je dis là? Or, Finlande a des frontières avec la Russie. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Pendant que la Russie busy avec l'Ukraine, qui a des frontières avec lui, ils ont profité entrer Finlande en dedans l'OTAN. Il y a un qui dit que ça qui a passé là. Ça qui a passé, c'est que pays nordique, autant que Finlande, t'es qu'on hésitait pour entrer dans l'OTAN. Qu'on y a là, y a créé crise l'Ukraine. Tout pays qui t'es gagné réticence pour entrer dans l'OTAN, obligé courir, vine cacher en bas, en bas, là, l'OTAN. Effectivement, préchelle et venant mouda Finlande, Finlande obligé courir entrer en bas, griffe l'OTAN. Maintenant, pendant y'a qu'un la Russie busy avec l'Ukraine, et puis, y a construit, y a augmenté l'OTAN. Un gros game car je l'ai. Deuxième coup, mais qu'on fait? L'Occident joué. Pour côté carré là, la Chine.
c'est l'Afrique. Qui ça nèg yo fè en Afrique? Nèg yo konnen yo bezwen kontrol l'Union africaine. Yo konnen la Chine a investi en Afrique. On masse l'argent. Et yo konnen sud, l'Afrique du Sud a bat et fait partie de ça ou les BRICS. Nèg yo déplacé. Ça ou les terroristes. Yo implanté terrorisme en Afrique pour al créer une source de déstabilisation et deuxième bagarre nèg yo fait coup d'état en Afrique. Nèg yo pas imbécile. Ça veut dire vinn avec un coup d'état. Yo traîné terroristes nan en Afrique parce que yo connaît en réalité la Chine pas gen moyen matériel pour le contrecarrer terrorisme en Afrique. Mes chers amis, à n'importe quel moment, y a besoin de déstabiliser l'Afrique, investissement la Chine a fait en Afrique. Troisième bagaille que yo fait, tellement yo intelligent, tellement y a joué game. L'Occident activer Taïwan. Ou gen Taïwan, ou gen Japon, l'Occident activé. Comprenez bien. Gen deux bagailles l'Occident fait pour voyer un message by la Chine. La Chine récemment sot chita Xi Jinping sot fait 3 jours en Russie. Pendant Xi Jinping en Russie, pendant Xi Jinping en Russie, yo kite Xi Jinping fait 3 jours en Russie, so quoi yo fait? Yo invité président Taïwan nan dans Maison Blanche. Et yo konnen Xi Jinping par men sa. Yo invité président Taïwan nan vin rencontrer avec Biden aux États-Unis. Depuis les madame nan fin visiter président vin visiter Taïwan et États-Unis et la Chine mande enragé tirer missile en l'air whatever it is, y a joué dans la Chine. Maintenant, qui s'est passé dans Moyen-Orient? Attendez bien ça m'a dit là pour monde qui veut comprendre. Attendez bien ça m'a dit là. Dans Moyen-Orient pour monde qui pas connaît. Que m'expliquer nous bien. Les États-Unis retirent colis en Afghanistan. Prof. On qui m'a dit mais pour qui raison États-Unis courir retirer col en Afghanistan? Son deal américain fait avec Taliban. On a dit oh prof ça dit là et gogozé. C'est analyse d'en fait. Nous aux États-Unis retirer col comme ça? Non, son deal. Pour qui raison? Deal là. Si nous remarquer États-Unis connaît le bralman et la Russie. Et Taliban yo c'est ennemi juré la Russie. Pour moun ki pa konnen. Ou pa konprann sa m ap di a la, non? Taliban yo, c'est ennemi juré la Russie. Si nous remarquons, les États-Unis kite yon paquet zam matériel en Afghanistan. Les moun ki pa di, oh, comment États-Unis fait quitter tout zam sa yo, tout bagay sa yo, tout ministre sa yo, tout matériel sa yo en Afghanistan? Moun ki comprenne, moun ki poko comprenne bien ou pas le comprenne. C'est pour, et pour la Russie, oui, il mette yo. Li kite yo derrière. Pour Taliban yo. Pour si la Russie, ta vini entre, poté bourré dans central Asia pour yo capable frapper. Maintenant prof, qu'est-ce que vous voulez dire par central Asia? Si vous voulez comprendre,
Nous connaissons route de la soie, la Chine. L'idée passe par Central Asia. Qui paye qui compose Central Asia? L'homme dit Central Asia, m'a parlé de Asie centrale. Qui paye qui compose Asie centrale? Pays qui compose, m'a parlé de Moyen-Orient, m'a parlé de Asie centrale. Pays qui compose Asie centrale, yo, c'est Afghanistan, c'est Kazakhstan, c'est Kyrgyzstan, c'est Tajikistan, c'est Turkménistan, c'est Ouzbékistan, India, l'Inde et Pakistan. Maintenant, si nous étudions bien, nous faisons relations internationales. Qui ça nous pense pays ça au gain en commun? Pays m'a cité ça au. Qui ça au gain en commun? Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, India, l'Inde et Pakistan. Qui ça au gain en commun? Pour moun qui va comprendre. Qui ça au gain en commun? Où est pays ça yo? Pays ça yo, m'sot cité là. Yo gen intérêt stratégique yo par rapport avec la Chine. T'as bien, oui? Yo gen intérêt stratégique yo par rapport avec la Chine. Et t'as bien ça m'a dit là. Pour nous comprendre bien. Nan Moyen-Orient qu'on y a, des deux pays nan Moyen-Orient que les États-Unis target. L'Iran avec Syrie. Tandem, mes amis, tandem bien. Moi sorti nan Afrique. OK, on parle de coup d'état, OK, Mali, Bazaro, on parle de crise et terrorisme l'autre bois. Mais monter en Europe avec nous. Moi parler nous de guerre Ukraine non. OK, moi parler nous de Finlande qui fait entrer dans l'Europe, dans l'OTAN, l'OTAN a expandi malgré Ukraine. Qu'on y a montré dans et Asie centrale avec nous. Moi parler nous de Afghanistan, retrait américain en Afghanistan, son coup stratégique lié. Parce que Afghanistan c'est ennemi juré la Russie, c'est-à-dire yo barré la Russie par derrière. Attendez oui. Et qu'on y a montré avec vous sous terre Moyen-Orient. Non, nous t'es entré avant par rapport à la Chine en Asie. Nous parlons de Taïwan. Nous parlons de Corée du Sud et nous parlons de Japon. Maintenant, nous venons avant dans Moyen-Orient. Pas oublier Moyen-Orient, c'est côté la Chine approvisionne li en gaz, oil, en l'huile. Américain pas vle région sa stable. Goko j'm'a dit nous là, c'est yonne raison qui fait que leadership pour région ça toujours bataille. Les pays arabes sunnite et chiite toujours à bataille pour influence pour gain contrôle question pétrole dans zone là. Maintenant attendez bien ça m'a dit là. C'est ça qui explique la guerre qui a passé au Yémen. C'est ça qui explique Iran à bac Yémen par derrière et puis et Arabie Saoudite devant et de notre côté où gagné Israël avec Liban, cap bataille, par rapport avec Palestine, mais question, conflit territorial. Maintenant, comprenez bien qui ça cap passé là. Ça veut dire, Moyen-Orient, déjà, tout, déjà, c'est un poudre à canon, à n'importe quel moment, qui a éclaté. Ça veut dire, présence américaine, dans zone ça, a toujours, y'a besoin de présence américaine. Alliés américains, dans zone non,
très important. Irak, Américain mettait régime politique en Irak. Américain allié avec Israël. Ça veut dire présence négio a toujours déterminant dans le Moyen-Orient. Présence négio a toujours déterminant en Asie, Japon, la Chine et Taïwan, Corée du Sud. Présence yo a toujours déterminant en Europe via l'OTAN. Présence négio a toujours présent en Afrique via coup d'État, via l'Union africaine qui toujours en quelque sorte a sollicité présence américaine dans zone là. Maintenant, pour Amérique latine dans lui-même, Américain déjà connaît li gen contrôle ça, li pa bay tête ni problème pour ça. Maintenant, posez que mande mais si c'est comme ça ou décrit baga la professeur. Qui perspective pour planète là. Tu m'expliquez nous bien perspective. Yon ne faiblesse BRICS là mais son bagage qui construit en opposition à l'Occident. Mais c'est pas un bagage qui construit son base nous gain même identité. Comprendre ça m'va dire là. Gen moun k'ap bat bravo pour BRICS, c'est vrai, mais BRICS là mais faiblesse dit. Faiblesse BRICS là c'est que yo pa gen même civilisation, yo pa gen même, yo pa partager même valeur civilisationnelle. Yo gen même ennemi. Yo gen même ennemi, mais yo pa gen même valeur. La Chine pa gen même valeur avec l'Afrique et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud pa gen même valeur avec Brésil. Brésil pa gen même valeur avec la Russie. La Russie pa gen même valeur avec l'Inde. Ben, expliquez-nous ça, me l'ai dit. C'est-à-dire que, au niveau identitaire, y'a pas besoin qu'à former, y'a un bloc. Deuxième problème, y'a gagné, c'est problème ethnique. Chinois, y'a, sont groupe ethnique. L'Afrique du Sud, sont groupe africain, noir. Brésil, sont l'autre groupe. La Russie, c'est blanc et vert. Adam Bellam dit là ethnique ethnographie m'a fait l'Inde lui-même sont l'autre catégorie ethnique, c'est-à-dire que au niveau de culture culturelle sociétale, yo pas jamais capable de former un bloc unique homogène. Troisième problème BRICS l'a gagné, c'est ça fait BRICS là son bagage conjoncturel lié, li pas capable structurel. C'est conjoncturel lié, c'est pas opposition, yo défini tête yo, mais yo pas construit yo bloc identitaire. C'est la problème pour commencer avec BRICS. Deuxième, troisième problème yo gagne, c'est distance géographique. Brésil trouvé juste en Amérique. Ça veut dire, marchandise Brésil, qui pour sortir en Chine, qui pour venir juste en Amérique, one way or another, faut le passer par autorité américaine pour le venir au Brésil. Ça veut dire, qu'il y a un blocage maritime, à n'importe quel moment, Brésil ne doit pas recevoir marchandises. Et gogoze, distance géographique. Deuxième, Afrique du Sud. Afrique du Sud, quand elle trouve là, n'en pouvait et Afrique, Sud africain, li ouvri sur Océanie. Océanie, hein, en quelque sorte, li constitue un véritable bloc avec Australie, qui, en quelque sorte, représentait un obstacle par rapport à l'expansion chinoise dans la zone ça. L'autre problème qui vient encore, c'est que l'Inde, des frontières, avec la Chine, mais l'Inde avec Pakistan toujours été méfiant. C'est des ennemis
en quelque sorte, qui chita ensemble, ou yon entendu, mais, yon toujours été ennemi, parce que yon, muslim, ok, Pakistan c'est muslim, c'est islam, l'Inde c'est hindou. So, basically, au niveau culturel, gon ti problème entre yon, et tous les deux c'est nuclear power. Yon tous les deux gen zam nucléaire. Elle a dit en termes de balance, yon kembe balance yon, mais, li problématique pour la oui, pour la Russie. Maintenant, si n'a pas gardé bien, qui possibilité qui gagne pour pays Brixio arriver, mettre tête ensemble, mettre, créer en quelque sorte des institutions pour yon capable de parler comme yon seul homme au niveau international? Yo pas partagé même culture, yo pas partagé même valeur, yo pas partagé même ethnique, yo simplement gen même intérêt. C'est-à-dire que yo gen même intérêt par rapport avec le dollar, par rapport avec l'hégémonie occidentale, l'hégémonie américaine. Et maintenant, si n'a font une analyse, dans qui mesure nous capable dire le fait que yo pas établi dans même espace géographique, le fait que yo pas partagé même groupe ethnique, le fait que yo pas partager même culture, est-ce que ça ca constitue un handicap pour yo dans l'avenir? Ça veut dire. Est-ce que ça ca sous son conflit qui pourrait empêcher yo uni yo puis devant? Est-ce que ça ca vienne cause tension dans mitan yo puis devant? Parce que en réalité, tout bloc qu'a formé, yo cherche connait qui ça a gagné en commun, identité, et est-ce que nous n'avons même espace géographique, est-ce que nous partageons même valeur. Mais si nous remarquons bien, BRICS là c'est juste dimension économique là. Or dimension économique là, yo chaque situé dans une zone dans planète là, Brésil en Amérique, South Africa en Afrique, la Russie en Europe orientale, la Chine en Asie, et l'Inde trouvez-li en Asie centrale. Là, je pense que au fur et à mesure, ce sont des enjeux que les experts au niveau international de pencher sur un enjeu. Très, faut considérer ces enjeux. Parce que bloc, l'on dit Occident, l'on dit bloc occidental là, y'a partagé même valeur. Ça qui fait force bloc occidental là, c'est pas seulement économique. C'est pas parce que bloc occidental là représente un marché économique, mais c'est parce que bloc occidental là, y'a partagé même valeur. Bloc occidental là, Yo partagé des valeurs. T'as coup, même système capitaliste. Yo partagé même philosophie. Yo partagé même vision du monde. Yo gon histoire commune. Yo christianisme. Ça veut dire, yo constitué tête yo comme étant yon bloc qui gagne même si, qui partage même civilisation. Contrairement avec Brixland. Ou pas qu'à considérer Brixland comme un bloc civilisationnel. OK, ou pas qu'à considérer, ou pas qu'à dire, ou pas qu'à parler de BRICS comme étant un bloc civilisationnel. Ou qu'à parler de BRICS comme étant un groupe pays tant que Genève qui réunit ensemble et puis qu'a regarder qui intérêt économique yo gagne en commun pour faire commerce. Mais ou pas qu'à considérer comme un bloc qui part civilisationnel, qui partage même valeur, qui partage même tendance, qui gagne même idéologie, qui gagne même vision du monde, qui gagne même représentation du monde. Non, ou pas capable. Deuxième bagaille qui est important dans l'Occident. L'Occident acceptait langue anglaise comme langue de communication entre eux. Et là, problème a commencé. C'est que, quitte en Europe, européen ni bloc anglo-saxon, yo d'accord pour yo parler anglais. So,
et yo partagé même croyance chrétienté et yo partagé, c'est-à-dire que yo go rapprochement identitaire en termes de culture, de valeur. Et si n'a regardé bien Brésil gen valeur par li, l'Afrique du Sud gen valeur par li, OK, la la Russie gen valeur par li, l'Inde gen valeur par yo, gen vision par yo du monde, gen croyance yo, et la Chine gen croyance yo. So basically, est-ce qu'on ka parler de bloc civilisationnel pour monsieur Sao? Mba kwa ka parler de bloc civilisationnel pour yo, et à ce titre, moi c'est que ce sont que l'homme on a fait analyse pour considérer, pour très considérer avant que ou courir bat bravo. Et gen yon lot bagay que m'te besoin toucher. Ouais. Oui, camarade. Allô? Yeah. Ah, mon cher, toujours m'étendre dans live. Toujours m'étendre dans live. Et de fois dernière, on t'a parlé de l'histoire qui te fait un plaisir. Puis on t'a parlé côté de l'église crasse pays. Et ça, ton petit genre intéressé parce que moi-même, mon petit genre, pas bien tout par rapport à l'église crasse pays. Comme ça, il fait tout pour nous qu'il saute. Alors, c'est pas sous ça en parler là. Moi-même, en même temps, de haut. So, just me tell me, de haut. Ouais, on va considérer parler. Et na, si vous dites, Paul, qui peut-être, moi, je vais partager l'idée, je vais continuer à partager l'idée. Bon, moi, ouais. Just de haut. Ah, bien, ok, so, c'est comme moi, tu es bas, m'ajoutez où, parce que tu fais une question. All right. So, ah. Thank you. On met descendu. So, ok, all right. Ok. Il y a un bagay qui est important pour nous comprendre. Et m'a demandé pour faire une intervention. Il y a des gens qui ont une question là, bon, moi, non, so, I don't know. Bon. Maintenant, la nouvelle vision comme ça, est-ce que nous capables de dire, nous capables de déboucher sur une guerre civilisationnelle? Je pense que journée aujourd'hui, hein, Brixlan constitué des forces pour faire face avec les États-Unis en termes de l'Occident, en termes de guerre civilisationnelle. C'est vrai, la Chine guerre nucléaire, c'est vrai, la Russie guerre nucléaire de pays ça, et puis l'Inde aussi guerre nucléaire. Et si nous regardons bien, déploiement qu'a fait par rapport les États-Unis qui ont une base militaire li dans 144 pays dans le monde là, et les États-Unis qui ont une base militaire li dans 144 pays dans le monde là, et ça m'a dit là son bagage pour nous considérer en pile, contrairement avec la Chine, contrairement avec la Russie. Les États-Unis installés des installations militaires et des bases militaires dans 144 pays dans le monde. Et dans tous les 5 continents dans le monde. Il y a des bases militaires en Amérique, il y a des bases militaires en Afrique, il y a des bases militaires en Asie, il y a des bases militaires en Europe et il y a des bases militaires en Océanie. C'est ça que vous considérez les États-Unis comme étant une global power. La Chine pas une base militaire en Amérique. La Chine pas une base militaire en Europe. La Chine pas une base militaire seul côté en Afrique, un seul côté c'est Djibouti. La Chine fait mettre une base militaire pour le protéger et un port en Djibouti, en Afrique. La Chine pas une base militaire li en Océanie. C'est-à-dire que stratégiquement parlant, la Chine pas une
capacité en quelque sorte pour ta déployer force militaire au niveau continental pour faire des attaques par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire des deux côtés, la Chine encerclée. Même au niveau de l'Antarctique, il y a une grosse bataille stratégique qui a fait là sur, au niveau antarctique entre la Russie et les États-Unis pour l'installation des bases militaires dans zone ça. Maintenant, si nous regardons bien, pour nous constituer un bloc face avec puissance occidentale, il faut commencer à pousser les États-Unis à retirer bases militaires dans 144 pays dans le monde là, pour mettre pied. Et ça, me dit nous voilà. C'est-à-dire que faut la Chine avec la Russie, ça commence à mettre les têtes ensemble pour commencer à pousser les États-Unis dans le pays. OK? Retirer koyo dans base militaire sa yo et puis pour mettre base militaire pa yo. Yo stratégie peut-être c'est commencer si 193 pays dans monde là. États-Unis mette base militaire li dans 144 là dedans yo. Reste pays qui était yo moi-même la Chine, la Russie t'a commencé installer type base militaire dans pays sa yo. On commencer installer type base militaire moi dans reste pays que les États-Unis pas gagne base militaire li, so t'a essayé joindre des accords. Mais problème qui gagne hein, c'est que problème qui gagne c'est que pays sa yo BRICS lan li plus sur la défensif que sur que li sous offensif. Si nous remarquons eh bien BRICS lan pas agressif. BRICS lan non posture de défense. BRICS lan non posture de résistance, mais li pas non posture d'agressivité. Il n'y a pas de posture offensive. Pays qui n'ont posture offensive, c'est pays occidental. Par exemple, pays ça yo, qui ça les États-Unis fait? Les États-Unis déplacent problème dans le continent américain, c'est-à-dire, et problème de guerre à Maduro, ils déplacent le niveau en Ukraine, dans Mouda Poutine. Les États-Unis intelligents, c'est ça. La Chine, avec la Russie, t'as alimenté Maduro dans le monde des États-Unis, sous territoire dans le continent américain. Les États-Unis déplacent ces problèmes dans le monde la Chine à travers Taïwan, ils déplacent ces problèmes dans le monde la Russie à travers l'Ukraine. Maintenant, est-ce que nous j'aimerais parler de Venezuela encore? Est-ce que nous j'entendais yo parler de Venezuela encore? Est-ce que nous j'entendais yo parler de OEA? Jean OEA t'a fait caca l'époque à l'époque de Maduro, à l'époque de comment on dit la Venezuela. Nous pas me poser tête une question qui s'est passé Venezuela, nous pas de parler de Venezuela encore, nous pas de parler de Maduro encore. Nous pas me poser l'OEA pas chaud devant bon encore. Ça qui passe, nous ne connaissons pas ce qui passe. Ça va intéresser nous. Eh bien, soit quoi de passé, yo résout problème, yo calme problème Venezuela, yo déplacé problème, yo mette le sous-continent européen avec l'Ukraine. Yo déplacé problème, yo lagué dans le Taïwan pour agacer la Chine. Yo ba nèg parce que c'est politique. C'est géopolitique qui a fait tout n'est pas déplacé pour nous, tout n'est pas pour protéger sphère d'influence, tout n'est pas pour protéger espace influence, mais ou même le son analyse, ou doit identifier force et faiblesse chaque pays, chaque groupe de pays, chaque bloc, et puis pour garder les déplacés pour nous, à qui ça s'est servi et qui intéresse à quelqu'un pour nous. Maintenant, qui implication ça gagne pour Haïti? Qui implication ça gagne pour nous-mêmes Haïti? Si nous remarquons que n'apoué haïtien a bat bravo pour BRICS. Raison qui fait haïtien a bat bravo pour BRICS, c'est parce que en pile haïtien pas vliwè les États-Unis, yo pas remè occident à cause de colonisation de système esclavage. C'est pas qui normal. L'anti-américanisme. Tout rêve haïtien, yo, en quelque sorte,
c'est à remet ouais États-Unis tomber. Bon puisque yo même pas gagne moyen nan men yo pour vider États-Unis à terre, yo obligé entrer dans dynamique pour battre bravo pour BRICS, la Chine, la Russie, hein? Pour comprendre ça et alors c'est un fanatisme qui mené pour comprendre ça, ou pourrait yo content la Russie dans guerre Ukraine non. Mais sous garde bien gain té dit comme ça que yo toujours fait analyse qui pour la guerre dans courir gain té dit mon cher la Russie a fini avec la Russie et l'Ukraine non seconde yo commencé à rendre compte et après et bonsoir prof. Bonsoir camarade. OK moi les gens il y a le site pardon il va mal descendre télé parce que m'a plus gros sur télé tout bon premièrement ça qui fait me commencer sur vous c'est parce que son ancien de Inagé mon de étudier Inagé tout s'il vous plaît pas de café débat avant parce que vous avez les branches bagage international en ville même c'est administration étudier et même Brésil tout c'est ça m'étudier donc si me dire Brésil de se faire tout que imaginer que une composition qui on j'ai un peu BRICS parce que m'tare mais ouais on sort de bon, comme si l'autre puissance émerge dans mode mais qu'on a la question bien pour voir c'est qui ça. Premièrement, est-ce que moi capable font minimum d'élaboration avant de commencer à poser question c'est ah, bon, pas de problème. OK. You know bagay nous connaît c'est que l'église notre longtemps c'était troc qui était qu'on fait économie mondiale la marché. L'église catholique c'était un pionnier qui était venu bay moun possibilité pour faire transfert l'argent et c'est un groupe pouvoir occidental qui est sur tout le monde là parce que c'est eux même qui ont capacité pour que le ou transférer l'argent ou paraître dans tel côté et puis ou bay un cob et puis l'autre monde dans capre l'autre côté. Bon même jusqu'à présent toujours poser cette question comment on monde fait bon l'argent ici au Brésil et puis l'autre là ramasser l'Haïti ou exemple cela et nous obligé accepter que l'autre pays dans monde yo commencé comme si dominer bagaille ça tout ça qui a rapport avec l'argent et nous connaissons économie qui mène monde là connait là ou dit qu'on sous question la Chine avec la Russie c'est vrai que ça a été un conflit territorial après Staline était fini tomber tout ça dans période écrite à Khrouchtchev mais étant donné que la Chine était un projet pour te faire un deuxième canal dans Nicaragua d'ailleurs c'est ça que fait États-Unis besoin puis l'on est président Nicaragua parce que c'est merde comme c'est celle merde vrai. La Russie vient venir avec sa yorele la route maritime du nord et que qui vient by possibilité côté que yo capable passer par un lait dans zone arctique là c'est ça que fait la Russie développer un pile brise glace pour yo capable faire modèle de commerce ça pour capable projeter sur monde là sans yo pas passer dans détroit qui en bas qui plus cher et puis qui plus long tout et que pays ça yo qui vient by et c'est ça qui vient cause que la Turquie lui même tout li a balancé entre l'OTAN. On a non sans parler de valeur là, t'as vraiment une team qui position la Turquie parce qu'on parle de langue et on sait de bagarre parce que la Turquie pas gagné boulot avec pays des pays tant que États-Unis ou soit Allemagne ou soit Angleterre. Ensuite la Finlande parle presque même langue avec la Russie, bon c'est quelques déviations même genre ukrainien c'est des déviations tout. On a là l'autre bagarre moi pas le monde tout c'est étant donné que Brzezinski m'a pas connu bon non exact qui j'ai parlé non difficile là bien ça m'c'était toujours prôné que finalement vous parlez de OK route que de commerce que la Russie fait avec la Chine en l'air sur l'Antarctique là oui ça c'est un bagage vous parlez de le fait que il t'a pas fait un canal en Nicaragua sur en Amérique latine ça c'est l'autre bagage. Vous parlez de le fait que la Turquie pas sur le plan civilisationnel. D'ailleurs, c'est ça que fait la Turquie pas dans l'Europe, malgré la Turquie fait un plusieurs demandes pour intégrer l'Union européenne, parce que vous considérez la Turquie identitairement parlant, c'est la Turquie, c'est l'islam, il pas fait partie de l'espace identitaire, parce que l'Europe est chrétienne. Ouais, bon, mais vous considérez comme étant un statut de membre observatoire. Bon. Ça qui est important. C'est pas mais la Turquie fait partie de l'OTAN, ça faut considérer. C'est-à-dire oui. Que
même les on parle du bloc là on parle du bloc comprenez bien on parle du bloc civilisationnel mais là me dit l'OTAN c'est un instrument listen carefully l'OTAN c'est un instrument en matière de politique et bloc occidental là c'est-à-dire son outil militaire que vous utilisez pour être capable de tenir OK et ralentir influence ou bien menace qui pesait sous bloc là OK, okay. So but ce qui est important la Russie la Chine et la Turquie lui-même il fait partie de l'OTAN ça ne veut pas dire pourtant il fait partie de bloc occidental là okay. Attention à ça me dit là et d'ailleurs nous et Erdogan t'a fait t'as foncé des bagailles là tête en bas nous Jean Erdogan obligé vindou Jean-Monsieur obligé une fouette parce que bah monsieur quelque équation vous le résoudre bon il y a tellement que ballon coup d'état monsieur oui, que c'est FSB mais, qui te porte le secours oui mais Erdogan pas gagne choix tout il pas camper face à l'OTAN dans position d'accord il pas capable pour que parce que c'est membre l'OTAN d'accord ça c'est yon. Il est obligé de respecter l'engagement international. Deuxièmement, il ne fait pas qu'à positionner par rapport à la Russie sur l'Ukraine. Tout remarque bien. Ou après, c'est la Turquie qui pifrette dans la situation. Ça, parce qu'elle trouve dans la situation, puis elle marre. Vous comprenez ce que je dis là, non? Oui, mais elle marre. Deux côtés. De côté, il était allié et la Russie, ok? Il fait plusieurs et tentatives, relations bilatérales avec la, il renforce les relations bilatérales avec la Russie, mais aussi il s'est membre de l'OTAN. Fort, monsieur trouve une situation, meilleure façon pour lui sur le plan international, c'est garder le silence, c'est rester neutre. Ok. Pas qu'à proposition. Kounia là, en question, m'a posé au lycée séparément parce que m'a rien mes réponses ça. Non, nous connaissons que gagne en partie dans deep state américain. Bon, ce qui flitait dans journal quelconque qui pensait que si on pète une guerre nucléaire et que y a gagne. Ça veut dire que nèg yo yo prêt pour péter une guerre nucléaire à n'importe quel moment. Même question pas menacé. Jean, si n'a considéré la vassalisation de comme c'est de ça nous relais alliés américains qui actuellement là des pays tant que l'Allemagne, l'Angleterre, la France, pays ça sont ces des pays qui tellement sortent en matière militaire sont bagaille grave. La France capé ton goumé même à Iso Haïti. Tellement exa pardon son pas façon mon qui dit non Haïti bye est-ce que OK bye combien la Chine gagne déjà la Chine non mais la Chine pas de bon politique guerre d'ailleurs matériel militaire la Chine produit c'est la de Chine au moins autant de Samdoula, oui, nous parlons en termes d'expérience militaire de la Chine. Non, moi-même, ça me plaît, c'est parce que, comme si le map gade alliés américains qui tellement pas voyé, moi-même, je pense que, parce que actuellement, si nous considérons sortir année passée pour arriver à année ça, pays qui alliés américains économiquement, ils ont plongé, et militairement, ils ont plongé tout. Mais problème, ou bien, où est-ce qu'on parle? Vous parlez de. Des pays qui alliés américains. Oui. Je dis lecture langue étant biaisée parce que vous pensez, vous pas réfléchir en termes de bloc. Et là, vous avez un problème. Après, depuis l'introduction au départ, là, vous ne pouvez jamais saisir. Vous ne pouvez jamais prêter attention. Les États-Unis n'est pas seulement leader mondial, il est leader en bloc. Il est bloc occidental. Vous comprenez bien. OK. Et l'ordre bloc occidental là, en dedans bloc occidental là, il y a trois groupes là-dedans. Il y a un groupe Europe là qui c'est l'Union Européenne, qui a à peu près 27 pays là-dedans. Il y a un bloc Commonwealth là, pays anglo-saxon, États-Unis, Canada, pays qui parlent anglais,
OK, qui sont influents en Angleterre, et Australie. OK. Les gars AUKUS. Voilà. Et puis les gars bloc pays ancien pays qui était colonisé, qui était colonisé, qui était esclave. Par exemple, on sait des pays en Amérique latine, on sait des pays en Afrique avec on sait des pays en Asie. Et puis, au quatrième bloc, les gagnés, ces pays qui ont des alliances stratégiques avec eux, qui en quelque sorte adopté modèle lié, tant que Japon, Corée du Sud, Taïwan, en Asie, et Israël, et qu'on y a fait même bagarre là pour Irak, la mettre pied dans pays ça, Égypte. Maintenant, comment mieux ça va me dire là? L'on parle, l'on fait analyse sur les États-Unis. Comme étant problème mondial, c'est qu'on peut que j'aime faire analyse sérieux. Non. Parce que. Avant les États-Unis, t'es leader mondial. Qui est-ce qui t'a dominé mondial? Avant les États-Unis, t'es gagné Angleterre. Ok. Avant l'Angleterre, t'es gagné qui ça? T'es gagné la France, t'es gagné Rome, antique. T'es gagné Grèce, t'es gagné l'Empire Ottoman, la Grande Chine te font couteau, mais c'est un pile tant longtemps, longtemps. C'est pas la Grande Chine, ça c'était la dynastie Khan, pas de guette arrivé toi, le vrai. Parce que même Mongolio, même dynastie Mongolio, t'es pété mouda. Mongolio, t'es pété coup chinois et tout. Ok. T'es m'explique un petit bagay. Celle allié ou pas besoin gagner dans la vie ou tout pays en yon compte ou pas besoin gagner allié ça. Dans la vie yo yo ka fait commerce avec mais yo pas besoin rallier ça au niveau militaire. Vous connaissez qui pays lié? La Chine. C'est seul pays militairement pas besoin comme allié. Pour qui ça? Parce que yo gon mentalité, yo pas guerrier. Les Chinois ne sont pas des guerriers. Les Chinois ce sont des commerçants. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Et puis problème yo gagné c'est que yo pè prêcher depuis chinois prend prêcher il fait bac malmout chinois font paquet de bruit sur Taïwan peut-être police et Nancy police dit la venir peut-être haïtien mais chinois fait bruit tirer un paquet c'est là fait un paquet bloquiste c'est là. Polensi, Nancy Polensi débarqué Taïwan, li shopping, li acheter valise, li monter avion, li tourner. Qui ça chinois ouvert? Qui ça chinois fait? Bon. Maintenant nous fini après ça pour me poser l'autre question. Tendez ça chinois ouvert. Yo fin babier. Après ça yo fait petit déploiement militaire et bon Taïwan. Aïe, Taïwan va se saisir là. Je vais dire. Qui s'est passé là d'abord même? Xi Jinping déplacé. Là, il fait 3 jours. Là, il peut être support by Poutine. Après, mandat, il a gagné un mandat à Poutine. Non? C'est sorti de moi. Les messieurs arrivent, il fait 3 jours. Monsieur Nick Mouté avion tourné en Chine. Président Taïwan. Non, mouté avion vient des États-Unis. Qui soit pensé la Chine fait? La Chine là, c'est un exercice militaire. C'est caca. Un exercice militaire. C'est caca. C'est ça, Mabdou. Saloperie, ça, bah, pour la Chine. N'a pas gagné être marché là-dedans. Et pour qu'on y a la. Plutôt plus pour alliance à la Russie qu'on fait alliance à la Chine. La Russie gagne expérience de guerre. La Chine, la Russie qu'on bataille déjà. Bon, ok. C'est gagne 1000 depuis la Gourmet. Exactement. Quoi ça? On quoi au fait à 11 ans dans bouche. La Russie pas jouer lui-même. Mais ou pas qu'à faire allier avec la Chine. La Chine son toute bagarre la Chine c'est bluff. La Chine pas gagner. Ah, guys. Attendez, qu'on est à la même bombe de mon parole. Premièrement, en matière de point de vue, tant que si on appelle l'art de la guerre, pour comprendre la mentalité chinoise, après chinois, ils pensent sur un temps long. Parce que pour eux-mêmes. Ah ouais,
tant trois langues pour lui. On prend par exemple Negyo depuis 1945 Mao Tse-Tung te prévoit une période de 100 ans pour récupérer comme si toute zone qui passe sous contrôle. Yo get en prend on prend Singapour, Hong Kong, qu'on y a arrêté Taïwan. Et yo parti on péta. Menti. Yo pas gagne contrôle Hong Kong. Menti. Camarade, yo gen là, c'est parce qu'il y a tout fait là. Il y a tout fait. Effectivement, il y a tout fait. Yo besoin accès. Pour la Chine gen accès. Notre li obligé créer yon ti île. Yon base militaire. Notre sa chanasi pour capable gen accès. Malgré ça, Taïwan constitue un bête pour lui. Ça veut dire pour le projeter sous la main, faut le passer par Taïwan. Et Taïwan sont alliés américains. Ou un problème là? Quand il y a une question pour c'est est-ce que si la Chine rentre, elle décide de peser que Taïwan américain a intervenu? La Chine pas fait ça. Je m'explique pour quelle raison la Chine va pas faire. La déstabiliser la région. Économie, la Chine ne va pas prendre coup. Attendez, la Chine est une nation. You guys don't get it. Premier bagage pour étudier, c'est mentalité on peut plus. De spirit. Mais c'est l'ampalo là. Parce que Chinois, eux même c'est sous temps long, ils planifient tout le bagage. Camarade, attendez. Vous connaissez Japon qui a occupé la Chine? Oui. Ok. So. La Chine, c'est ça que fois où elle a fait tout, oui, la fait tout ça, elle a fait là à en vitesse. C'est ça que fait ou pas. Même matériel, la Chine, pas fiable parce qu'il y a couru à vitesse, toujours un problème de qualité dans le produit chinois. Bagage chinois, ou pas qu'un bébé pour un pile temps ou pas qu'à faire confiance. Y a pas bon en route. M'gon l'autre problème là encore, prof. M'gon l'autre problème là encore. Puisque grenier modelan, SM Karel el grenier, ok. Industrie modelan, c'est la Chine, que ce soit téléphone, que moi avant n'a parlé là de là. Ça aussi, pas. Vous voulez dire que la Chine n'a aucun poids dans l'économie mondiale là du tout. Parce que tout bagaille, qui font bagaille qui gagne de bonne qualité dans le monde là, ils sortent en Chine. Et bien, explique un bagaille. Est-ce qu'on t'entend? Oui, m'attendo. On va pouvoir répondre propre question. Qui est-ce qui finance toute guerre américaine fait là dans le monde là? Arabie Saoudite. Oh. Oui. C'est un grave monsieur. Oui. Les Biden voté combien de trillions de millions de dollars pour le voter par Zelensky? Qui compte Biden pour l'argent ça? OK, qui est-ce qui t'a financé guerre Irak là? Arabie Saoudite. Non. La Chine. Bon, m'a OK, d'accord. La question pam c'est qui importance Arabie Saoudite dans guerre Irak là?
Ma vin avec Arabie Saoudite. Arabie Saoudite sont alliés conjoncturels liés. Pour qui pour? Attendez. Il a fait quitter la Chine a fait. Vous comprenez bien. Qui est-ce qui finance guerre et Afghanistan? Arabie Saoudite. La Chine. On continue à répondre. On a les guerres Syria. Qui est-ce qui finance? Arabie Saoudite. Ok. La Chine. Maintenant, attendez-moi. Combien de cobs États-Unis doivent chinois? Bon, ça me connaît. All right. Je connais de la Chine, un petit peu qui cobs, mais. Attendez. Konya bal di yo. Yo de la Chine presque des trillions de dollars. Après ça me gon question pour qui pa gen rapport avec rapport militaire s'il vous plaît. Attendez. Faut finir ça pour moun yo ka konn. Oui. Ki intérêt la Chine gagne konya pour dollar perdu valeur. Bon, bah, connais, puisque, bon, est-ce que n'est-ce qu'il y a gommé pour le dollar perdre du valeur? Bah, connais, seulement qu'on est, y a essayé de mettre en sorte de concurrence qui pour limiter possibilité américaine pour le bail sanction, c'est ça que me connais. C'est ça que, comme si moi, lis ou bien, étudie quelconque. Camarade, attendez, nous pas fait. Depuis passé 12 ans, t'as dit bien, depuis passé 12 ans. J'ai dit là, faut mettre ton vent. Vous comptez combien comme États-Unis de la Chine? Oui, maintenant. Plus passé 1000 milliards de dollars. On a une grande question. On casse. Si on doit. Ok, bon temps, nous toujours. Attendez, oui. États-Unis doivent la Chine plus passer 1000 milliards de dollars. Projet de la soie. La Chine, l'écoutez la Chine, 900 milliards de dollars. Attendez, oui. Budget militaire américain seulement. Un trillion. Attendez, oui. Écoutez bien, ça me parle de là. Un trillion dollars. On y a une réflexion, seconde. Est-ce qu'on peut dire une réflexion, seconde? Oui. Qui était la Chine gagnée pour dollars petit valet? Si on regarde dans le sens commerce, bye. Ah, pardon, professeur. Et Fennel Duté, si ce n'est pas parler, bah, n'importe qui, Jean, s'il vous plaît. Ou pas qu'on dit dans quelques jours. Oui, comme si vous connaissez des lèvres, on a des gens par le tête en bas. Camarade, avez-moi parlé. Oui, on a avancé. Et ça, mais si n'a pas parlé dans le sens économique, il n'y a pas aucun. Ok, dans le sens, comme si temps présent actuellement là, si je gagne dollar non mais et puis ça me besoin acheter là, li pas qu'à acheter là encore, mes amis, li pas bon moins du tout hein. Ok. Je préfère que qu'on y a là selon moi-même, dans l'idée pam, est-ce que chinois y arrive dans une situation côté tellement sot pour y pas arriver dans position pour y liquider les titres de trésor américain que y gagne? Comment on va le faire liquider? Ok, liquider. Ok, bon, la Russie liquide pas lui. Ah, ok. Ça passe la Russie qu'on y a, Delphine liquide. Ça passe l'économie à la Russie. Ok, m'attend toujours. Oh, camarade. Oh, non. Ça passe l'économie, la Russie là. On connaît le contracté année passée pour 2,5%. Pourquoi? Mais c'est un petit bagage, c'est au confond. C'est-à-dire que gros problème sérieux. Gros problème sérieux. Non, moi-même, si ça me coûte ça, ça me dit par rapport avec fait qui va ailleurs.
Attendez, sérieux, pas fait ça. Moi-même, barré, pas quitter fanatisme, moi-même, attendez bien, ça me va dire. Il faut pas libérer YouTube, non, on est toujours à déstabiliser, il ne faut pas libérer, il faut débattre, échanger. Oui, bon, garde, puis tu vas te m'expliquer bien. Et toute sanction économique qui vous mettez, vous connaissez, jusqu'à maintenant, je vais parler à vous là. Économie, la Russie en bas sanction. Bon, oui, on va gagner 11 000, combien de sanctions sur les. Ok. Maintenant, il y a un bagage qui est clair pour nous. Est-ce qu'on considère l'économie chinoise, la Russie, comme une économie, un pays développé? Un pays en voie de développement. La Russie, grand pile temps pour le rattraper toujours. Hein? Ok. Après ça, maintenant. Et fin de passer dans l'année 90, c'est la Russie qui est un pays développé. Mais on cherche des anges qui vivent l'autre bois. Maintenant, pour quelle raison on pense que la Russie entre en bas avant la Chine? Pour le jeune investissement. Ok. So. Cognac. Si toute l'argent lâche, si l'argent, si l'argent, la Russie tombe en bas, mais l'argent chinois, réfléchis une seconde, l'argent chinois lui-même, pour le monde, pour ce monde-là, attendez, comment la Chine va le besoin commercial avec ce monde-là? Qui ça la Chine va le besoin? En dehors de BRICS. En dehors de BRICS, BRICS gagne seulement 5 pays, mais on a commencé à commercer avec d'autres. En dehors de BRICS. Mais la PCE fait contrat avec l'autre pays pour être capable de commercer en renminbi. Oui, entendez, ça m'a dit là. Mais Tony, pour faire ça. T'as dit pour faire ça qu'on y a là. Mais attendez. Oui, pour faire ça. Oui. Non, Fanel, m'a fanatique. Pour que je ne sois pas fanatique, je vais décrire une réalité. Le problème qui gagne, attendez. Mais le problème qui gagne, c'est que il y a des gens qui pensent que je vais défendre pour l'Occident. Je pour l'Occident. Je réalise parce que je vais quitter m'héberger par des sentiments anti-américanistes, anti-occidentaux, parce que je suis un pays sous-développé par rapport avec colonialisme, par rapport avec esclavagisme. Non. Maintenant, Problème qui gagne, c'est que BRICS là, ils ont posture qui en pile monde va attendre. BRICS n'ont posture de résistance. BRICS n'ont posture d'opposition, mais BRICS pas non posture de domination. D'ailleurs, le fait que y a constitué tête comme ça, c'est que y reconnaît psychologiquement y a subi une domination. Par contre, tu comprends ce que je dis là. On est là, je ne sais pas si tu as dit. Si tu as dit ça là, il faut que tu sois d'accord tout que le fait que le secrétaire, secrétaire d'État américain, le fait que les campés, ils déclarent, ils réclament pour la Chine reconnaître la suprématie américaine, c'est parce que ils reconnaissent que la Chine a une vitesse là pour qui commence à arriver dans une situation exagérée. Non, attendez. De concurrence. Peut-être qu'il y a un peu de monde qui va attendre. Ou il n'y a pas autant de monde qui va finir bien dans les samedis. Je comprends ça, je comprends. C'est ça qui fait moins de même parole là. L'hégémonie contestée des États-Unis, il ne convient pas que l'I est hégémonique. Exact. Ou faire résistance par rapport au pouvoir en place. Exact. Ou camper en opposition par rapport au pouvoir en place. Comme c'est moi qui est dans l'arrière qui a manifesté contre le gouvernement. Oui. C'est yon pour camper face avec un pouvoir. C'est yon pour contester face à un pouvoir. C'est yon pour faire résistance avec c'est yon pour même pour un pouvoir. Pour tout le pouvoir face à un pouvoir. Bon, là, je vais terminer le mot là. Ça va être sincère. Yes. La Chine pas qu'à dominer le monde, là, ça fait sincère. Comment la Chine pas qu'à dominer le monde là? Parce que
Parce que pour dominer le monde, il faut une mentalité comme si ça me t'a dit hégémonique et que faut qu'on ait une mentalité belliqueuse des Chinois. Celle ça qu'on fait, c'est monter business tout côté. Parce que sous Chita, bon côté Chinois, on est calé. Ou font dessin, ou font dessin, on couteau devant la lambo garanti, en vain, ou enregistrer dessin couteau, elle commence à vendre. Pas comme ça, Chinois. Oui, c'est-à-dire, oui, oui, mais attendez. Puissance américaine. Puissance américaine a tombé. Mais ce n'est pas américain qui a tombé. C'est l'Occident, oui, pour nous. C'est là que j'ai une question ça pour me poser là. Pour me dire, si nous comparons les États-Unis avec comme si la WOM, parce que je n'ai pas envie de comparer ni en Angleterre ni avec l'Allemagne qui était en vie pour place Angleterre, là, si nous comparons les États-Unis avec la WOM, est-ce que un empire américain pas privé en le living trop gros? Tant qu'on a dépensé les vins gagnés et que c'est qu'on considère et tant qu'on. Est-ce qu'il n'est pas tenu? Est-ce qu'il n'est pas tenu? Bon, oui. Oui. Eh bien, si l'empire est né, il est condamné pour le monde, c'est né pour le pape. Non, qu'on y a la question. Pour qui raison que je me suis obligé de poser la question? C'est parce que chaque analyse ou fait, ou montrer l'autre diplomate, yo tellement. Dans l'analyse, ou montrer que l'autre diplomate, yo tellement ça, c'est comme si yo pas fait aucun pion du tout. C'est là, oui. Une question. Attendez. Et pas Jim dit ou pas fait bagaille. Moi-même, en pile moun ta remè pou m vin di, ok? En pile moun ta remè pou m vin di, parce que gon sentiment si amerikalis ki an di dan peyi d'Haïti, parce qu'en pile neg, toujours apparaît de Amérique. Yo pense m bal vin kampe pou m vin inscrit tèt mwen nan dinamik lan, le m'a fait analyse. Non? M bal la pou m satisfè sentiment neg. Ti anti-américaniste qui pas vle ouais l'Occident, qui pas vle ouais américain, bagay sa yo pendant si temps, il y a coup aux États-Unis. Non, et pas ça, m'a pas de problème. Tandis. Ngé doit attendre. Depuis là commencer suivre la vie ou toujours mandé pour mon venir pour le porter idée contradictoire et c'est travail ça me vient faire là. Parce que pour me rappeler si je n'ai un visa demain matin, m'a prêt aux États-Unis, me vient faire dollar. Moi, je comprends. Tous ces problèmes de méthode. Ok. Le fait que vous avez envie, vous pays tombé, désir, pas le dit, c'est ça qui a passé. Les guettants font comme jugement. Comprenez bien ça, voilà. Idée contradictoire. C'est pas idée contradictoire, l'immotivé. Attendez, ou pas vous permettre d'expliquer ça m'a pour qui ça m'a appelé de répéter idée contradictoire là. Si je prends exemple dans le football. M'pas supporter équipe. États-Unis a tombé. Attendez. États-Unis a tombé. L'Occident a effondré. Mais si bagay brique ça ouais là. Attendez bien, si bagay brique ça ouais là, c'est en oppositionnier. Mais BRICS ça tout c'est marché économique américain qui est créé. Mais qui t'a créé comme si trois positions au monde gagne dans situation ça. Oui. Trois positions. Première position, ou pro BRICS parce que ou pas vouloir ouais américain ou bien occident peut-être esclavagiste, peut-être colonialiste. Peut-être que c'est là, but, ou pour BRIC, parce qu'on parle ouais États-Unis, mais ce n'est pas BRIC sur Rémen, ce n'est pas la Chine ou Rémen comme ça, ce n'est pas la Russie ou Rémen comme ça, ou juste parler ouais États-Unis avec l'Occident, et pour appuyer BRIC. C'est ça, Roman. C'est son première position. Ok. Deuxième position. Ça, c'est pas moi. Attendez. Deuxième position, c'est que,
pour BRICS parce que travail BRICS a fait yo ou est que yo ka proposer yon bagay alternative bede pour pays sous-développé yo tant que l'Afrique tant que l'Amérique latine li ka permet nou OK vinn join sa relé voie pour nous émerger. C'est-à-dire, m'ta remé BRICS, vini, vin proposé, yon lot système mondial alternatif, qui a en faveur Haïti, qui a en faveur des pays sous-développés, qui a permis de nous développer économiquement et financièrement. Ça, vous avez dit, OK, puisque l'Occident pas banoun, ça pas voulait d'ouraï l'Occident, non? Ou juste, ça pas voulait d'ouraï l'État-Unis, non? Ça, c'est moi, ça, c'est moi-même. Ou juste, voulait yon système alternatif, côté que, pays ou avec pays sous-développé yo ka jenon souf pou yo konnen sa rele voie de développement qu'on y a ou camper des BRICS. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est moi. Ou bien ou go troisième position. Troisième position qui ça lié. Ou dit ah je vais là et là. Tendez oui. Je vais là et là. M'ta bien remi gen un système alternatif, m'pa di ni BRICS non. M'ta bien remi gen un système alternatif dans le monde, mais États-Unis avec l'Occident a toujours joué pieds et mains pour yo kembe hégémonie dans la planète là. Est-ce que vous entendez? Oui. États-Unis a toujours joué pieds et mains pour yo kembe hégémonie avec l'Occident, a toujours kembe pieds et mains pour yo kembe hégémonie dans la planète là. At the end of the day, tendez oui, at the end of the day, ni l'Occident, ni bloc occidental là, ni BRICS là, en quelque sorte, y a privé nos situations d'équilibre mondial. Est-ce qu'on comprend dans mondial là? Bon, parce que États-Unis a pour l'idée. Non, bloc occidental la guerre doit affaibli mais il y a toujours continué bataille dans créer crise guerre pour yon capable maintenir hégémonie dans monde là et si BRICS lui-même constitue tête li de façon à ce que comme une alternative par rapport avec il y a créé une situation qui ça d'équilibre dans monde là pour faire équilibre maintenant là m'a pas dit qui ça parle qu'on y a qui ça nous pral bénéficier de lui. Est-ce que nous pral les pays sous-développés yo pral non aligné? Est-ce que yo pral pencher ou bien est-ce que yo pral chercher qui ça cap bénéficier comment yo pral bénéficier dans monde là de ça? Ou bien qu'on y a là moi parti qu'on y a là ça même ça me fait ça m'envie de dire c'est parce que numéro 3 il presque rentrer dans numéro 2 parce que si BRICS ça li parce que si BRICS ça li vinn rive dans situation côté li proposer une alternative c'est parce que la PC établit un équilibre et que étant donné que pays pas développé ah mon cher faut pas faire ça. M'a parlé de blocs. M'a parlé de blocs pour dire BRICS opposé aux alternatives. Ça dit là. Comment BRICS? Poco. BRICS. Ou dit, chaque grand pays, ça yo, en quelque sorte, yo gen intérêt, pa yo, et yo gen culture, pa yo gen façon. Comment on va faire constituer un bloc? Un bloc ou m'a parlé? Ok. D'accord. Ok, là. Ok, on bat là. Non, il doit avoir un objectif commun pour dire que mon adversaire commun qui c'est les États-Unis, m'a bat, n'a vini, n'a créé monnaie par nous, n'a bagage ceci là. Mais faut montrer limite qui gagne dans démarche là. Yo pas qu'à proposer une alternative pour qui raison? Parce que proposer une alternative, faut alternative là correspond avec tout reste monde là. Faut tout reste monde là garder yo wè, yo gagne plus avantage dans BRICS que yo gagne avantage dans l'Occident. Par exemple, faut la Chine clé pour Africains ont envahi lui. Faut là les Africains ont commencé à envahir la Chine. C'est soit la Chine développer l'Afrique. Vous entendez? Ce qu'elle a fait. Ou non, faites attention. Là, il pas développer la endette l'Afrique pour contrôler. C'est des bagues. Mais son alternative qui vient par Occident. Oui, mais
Mais oui, mais attendez, je dis. Qui côté l'argent? Gardez ça la Chine a fait dans la capitale Égypte là. Qui côté l'argent pour aller? Vous gagnez fou. Attendez. En réfléchissant. De toute façon, vous parlez Chine. Oui. Ok, qu'on y a qui ça te peut passer d'abord même. Faut la Chine pas market. Et pas la market ni seulement, non? Faut la Chine commence à clé qui va venir dans tourner capital monde là. Pour mon envahir. C'est pas bien seulement. Non, le barré, c'est quoi? Faut qu'on y a commencé à réfléchir à la question raciste. Faut qu'on commence à réfléchir avec la question politique immigration. Mais on ne comprend pas, non? En laisse que les décide qu'on y a là pour développer le pays économiquement. Et l'aile développer économiquement, rapport de force tas. Faites attention. La Chine n'a pas capable de dire pour le monde là encore. Si l'Afrique développe l'Afrique, L'Afrique vient de propre industrie pour le développer. La Chine pas capable de vous l'Afrique. Donc vous voulez dire que la Chine va l'obliger à passer presque dans l'économie de consommation, même déjà aux États-Unis. Il y a non causé. Pourquoi? Tant moi. Vous sérieux? Pourquoi? Mais c'est question. On m'a posé. Honnêtement. Parce qu'en 1945, États-Unis c'était l'industrie mondiale. Ok, honnêtement. On dit l'Afrique. La Chine investit en Afrique, l'Afrique commence à gagner des usines, des entreprises qui ont développé, qui ont produit. Quand il y a fort usines qui ont produit des bagages alternatifs que la Chine n'a pas produit, sinon c'est concurrent. Comment la Chine va le faire pour la lomba, on zappe pour le bal, pour le bal, tête, ni bal dans le pied. Vous êtes la Chine imbécile? Bon, oui, d'accord, bon, non, pas de ça. Ok, bon, quand il y a là, dans ce sens, ça, développement l'Amérique et l'Afrique là, ils viennent pas attendre si j'ai mitigé. Et si ça t'explique, je ne veux dire qu'on veut le coupable, la majorité africaine, y a pas mis tête en Chine, y a mis tête qui bon en Occident, en Europe. Comprends bien, tu m'expliques bien. Et si ça t'explique, je ne veux dire tout, même Amérique latine là. Tout temps d'autant des Haïtiens battent bravo pour Venezuela. On a boule mieux de rage, Mexique, Chili, là, yon pas le Venezuela. Ça nous va le faire. Eh bien, tandis, vive. Non, pardon. Attendez. Ma presse explique comment démarche là, li pas solide. Pendant, yon douon ça. Je parle, ouais, Américains, ils veulent tomber. Hein? Ça donne bien. Hein? Même yo même non. Oh oui, Maduro. Pas de yon qui parle de Maduro, non? Zéro. Tout prix autant de bon Poutine. Pas de yon qui achète ticket pour Al-Kaï Poutine, non? Al-Kaï Poutine, non? Combien ici ont entendu là qu'elle installe la Chine, les jeunes visa chinois, la louver col en Chine. M'ba faire recherche, m'ba konnen, mais monsieur qui gon communauté haïtienne en Chine. Et bah Hambi, mando combien haïtien? M'ba konnen, m'ba faire recherche. Combien haïtien ont entendu n'enrager Taïwan pour entrer en Chine? Problème. Bon, problème j'ai. Politique li pi complexe. Que je ne comprends pas. Mais comme si pour, bon peut-être si n'a pas gardé là avec on si d'ab tomber parce que son prophétie biblique liée. Eh ben c'est la question pas me. Oui, mais l'Occident pas tomber comme si parce que la Chine dragon pas capable de mettre dragon. C'est pas un gogo, c'est Mabdoula. Ouais, dragon. Abdi. Anyway, camarade, vraiment en pile, man. You know, appréciez-vous. Je vais des questions. Des dernières questions. Opinion sous coup de diplomate. Ok, bon, pose des questions. Est-ce que l'autre pays, comme si qui a comporté en tant que concurrent occidental, est-ce que diplomatiquement, il n'a pas fait aucun pion du tout?
Ça est première question. Deuxième question. Comment diplomatiquement il va faire comme pion? Ça vous le dit pas. Ok, son question, t'as qu'on l'aime poser question, c'est par rapport avec... Diplomatie, son outil de relation. La diplomatie, c'est un instrument de politique étrangère, mais ça, vous le dit pas là. Oui, diplomatiquement, capable de dire, ok, vous faites un coup dans la mesure où vous essayez de jouer un accord, vous formez BRICS. BRICS, c'est produit diplomatie. Mais, ton alliance, est-ce que, maintenant, faut... Depuis l'alliance forme, il faut tester l'existence de l'alliance. Oui? Mais n'est-ce que c'est où Libye pour ce Brexit, prof? Qui est-ce qui est au Libye? N'est-ce qui forme Brexit, que ce soit Brésil, parce que Brexit, à la base, Brexit est déterminé, c'est investisseurs américains, qui que c'est marché américain, qui était ouais que marché ça, c'est des marchés prometteurs, ils ont créé Brexit, créé non, acronyme Brexit, là, pour être capable d'indiquer des gens qui côté pour investir l'argent, pour être capable de faire plus de retour, dans le commencement de l'année 2000. Donc, n'est-ce qui vient de faire un bagage? Vous pensez que les Américains font un bagage, ça, ils ont intelligent, ils gagnent? Qui a trouvé cette invoquée? Bon, c'est du thème. Qui a trouvé cette invoquée globalisation? Bon, l'Amérique. Mais qui a trouvé c'est l'âme continue de la question. Oui. Est-ce que ces leaders et occidentaux qui comme si atteignent le graal de l'intelligence comme si depuis au fond bah elle a marché quand même ou soit bah on est ouais ça me zoule est-ce que pas aucune possibilité du tout pour contrecarrer ça négio à faire ces questions c'est là oui question pas maintenant hier c'est là parce que logiquement parce que négio pas dans l'histoire pour faire l'histoire des de civilisations modernes bon mon empire qui tombait. C'est pas pendant qu'elle tombe. Eh, pourquoi pour mourir dans la guerre, non? Non, il pas ça, me dit. Bon, attendez. Bon, il y a un empire qui tombe. C'est pas pendant qu'elle tombe. Mais c'est ça, ça m'a dit là. Ma bonne. Je rappelle d'accord, vous n'avez pas pété la guerre, là, non? Ma bonne, deux. La worm tombe. C'est pas pendant qu'elle tombe. L'éclaté en dedans. OK? Et la Russie éclatée sans guerre. L'URSS éclatée sans guerre. Avec notre tentative pour réformer. Tu me suis combien? Où est États-Unis? Où est États-Unis? Plus gros menace États-Unis là. C'est États-Unis encore. Ah, et bah la Chine. C'est ça, vous voulez. On essaie de ne comprendre, vous ne comprendre. Vous ne comprendre. Non, pas de ça. C'est ça, m'a pensé. C'est question, ça m'a pensé poser au défi d'aller à Macmondo. Est-ce que l'hégémonie américaine n'a pas pris pour côté? Il vient trop gros. Où est-ce que c'est ça, m'a pensé. Non, où est-ce que non, tel ça m'a présenté haïtien. M'a quitté au Chita là. Ma petite chita là, arrêtez vivre Poutine, brûlez vivre ceci, cela. Il y a beaucoup de comprendre. Où est États-Unis là? États-Unis ont une contradiction interne qui a développé la Cali. C'est caractère États-Unis même en tant que nation qui commençait à affecter, qui a affaibli. Ok, d'accord. Sauf que ça. Depuis le commencé à arriver, depuis où est-ce que ça a commencé à faire dans un empire, depuis où est-ce que ça a commencé à faire dans un empire, qu'on est, quoi me souvenez. La balle éclaté pour contre. La tombe pour contre. Même si il y a l'autre monde qui a du gueule quand même. Attendez. Mais c'est une quelle folie, ça me dit. IRSS, États-Unis, t'es digel. Zamim, tout autant, pour politique étrangère solide, il faut toujours résoudre contradiction interne. Pour politique étrangère solide. Mais du moment que il y a des contradictions internes qui commencent à émerger, il y a des fissures internes qui commencent à bagailler, il ouvre porte à l'affaiblissement même. Zamim, c'est comme si on a un cancer dans le corps où tout mouvement a fait. De yo à la pour aller à c'est parce que cancer a brisé à patte quand cancer a fini éclaté dans le cerveau, il finit la foutu coucher.
tout contre tout. Il n'y a pas besoin même faire rien, ou après te consommer en vie levé ou pas calivé. That's it! Qui opinion sous tentative pour y arrêter Donald Trump? Ah? Je ne sais pas les trucs comme ça. Ben là, pour y construire un néglant tout, ou pas essayer de construire, construire Donald Trump. Elle est fou. Son coup de république au bras le point là. Il a préparé, tu vois. Il a préparé. Zambim, c'est Trump, il a préparé. C'est Trump, il a préparé. Il a préparé pour la Chine. Ok, il n'a pas compris. Peut-être que tu viens préparer pour la Chine. Tu prends le mouté la Bible et puis tu vas lever dans le monde de la Chine. Après ça, on va le dire encore, démocrate, pour le venir, on va lever dans le monde de la Russie. Après ça, on va le dire encore, républicain, pour le venir, on va lever dans le monde de la Chine. Ou pas chaque nègre, chaque parti, ça va choisir un pays pour la bataille. Républicain, la Chine, et démocrate, la Russie. Ouais, hein? Ok. Et dernière question non, pour me caler. Ah, c'est oui, qui je... opinion okay, sur la situation Europe là? La situation Europe là. C'est là nous même Europe là. Europe là, presque pas pour John Mango. Ah. Ok. Ça dit là, destin Europe. Non, moi, c'est question m'a posé. Faut d'accord qu'il m'a posé question Europe là. C'est pour vous, c'est question m'a posé. Je dis, Europe là, va produire Mango. Europe là, il n'y a pas d'économie de Mangouli, non? Europe là, papa. C'est, vous connaissez le besoin? C'est un bagage qui est important pour lui. Économie de service, c'est là l'entrée là. Regardez pour vous. On parle de produits, c'est ça. Toute entreprise européenne, yo. C'est à l'étranger. Partisan, toute entreprise, ou par contre, les firmes multinationales, dernier crasse pays, c'est l'autre boy, oui, dans l'autre pays. Oui, c'est bon. Puis, tu me quittes, parce que je ne charge pas le monde à dire sur réponse sur bon rien, mais puis, tu me quittes espace pour l'autre monde. Ah, oui. Donc, c'est ton plaisir. Merci. D'accord, oui. Continuez à étudier, mais pas quitter. Pas quitter fanatisme. J'aime dire là, les rentrer dans le débat, c'est des contradictoires. Si tout le monde a un petit bâton bas. Si on est venu devant les États-Unis, a effondré, l'Occident a effondré de par lui-même, par contradiction interne. Ça, m'ka prend chance pour m'entendre. Mais après, on vient battre bravo pour la Chine, pour BRICS, pour venir faire briseur et moi dans la bagaille. Bah, mon fou m'a pas perdu de temps avec moi. Après, adopté. Okay, mais on l'a gonti, il craint dans le monde, la Russie, là, fait caca. Arrête pour me perdre avec bagaille. Il craint qu'il n'y ait pas un nan, mais la Russie, là, il fait caca dans la putande. Si la Russie a pris global, si le global, c'est rien. Poutine chita là, pour faire caca. Il va faire, non? Il va faire. Et parce que, vous pensez que l'Américain va être connu, c'est capable? Étudier profil psychologique nèg là. Vous pensez pas de connaître Poutine pas aller loin. Vous connaissez si on était ouais Poutine d'un coup profil psychologique Poutine d'un coup Hitler ton est boule mieux pas utiliser Ukraine. Et vous connaissez Hitler ta fond monde Poutine. Et ben c'est ma bon là. Ben OK bon. Prof là, bon mal, l'état des mouni ou abjure là. Bon. D'accord, oui. Moi, je vous remercie, moi, salue tout étudiant, tout le monde, tout camarade qui était branché. Passons bon après-midi, moi, venons en pile. Tout beau sale, les yeux. Passez bon après-midi, en pile l'amour pour nous. Kevin là, pas de courage. Ciao.